dans cette atmosphère de la prière, nous voulons prendre quelques minutes pour élever le nom du Seigneur. Oh Jésus, je m'appuie sur toi, Seigneur Jésus. Je m'appuie sur ta grâce, Seigneur Jésus. Je m'appuie sur ta parole, Seigneur. Je m'appuie sur ton esprit. Je m'appuie sur toi devant les problèmes, les tentations, Seigneur. Je m'appuie sur toi chaque jour, Seigneur. Tu es mon appui, oh Jésus. Je m'appuie sur toi. Toi, le rocher des siècles, je m'appuie sur toi. Oh Rabata Karibeshete Keyaba. Je m'appuie sur ta présence, Seigneur. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul, Seigneur mon Dieu, dans cette vie. Mais tu es avec moi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je m'appuie sur toi. Devant les combats, les difficultés, je m'appuie sur toi. Devant les challenges de ma vie, je m'appuie sur toi, Seigneur. Comment ne pas le lever? Comment ne pas tourner mes regards vers lui? Je veux encourager quelqu'un ce soir. Tourne tes regards vers le Seigneur. Tourne tes regards vers Jésus-Christ. Les hommes peuvent t'abandonner. Les gens peuvent te décevoir. Mais il y en a un qui ne déçoit jamais. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Encore ce soir, pour ce live, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, oh, oh. Pour ce ministère, je m'appuie sur toi. Pour cette œuvre que tu m'as confiée, je m'appuie sur toi. Ici-bas, je m'appuie sur toi. Ce soir, nous voulons nous appuyer sur toi, Seigneur. Que ce temps soit un temps de culte encore. Que ce temps soit un temps où nous élevons ton nom, uniquement ton nom, Seigneur. Que ce temps soit un temps où nous mettons vraiment l'accent sur ta personne. C'est toi qui mérites la gloire, l'adoration. Ce n'est pas un homme. Oh Seigneur, inspire ce moment. Inspire ce moment. Prends le contrôle de cette plateforme. Prends le contrôle de nos bouches. Prends le contrôle de nos cœurs. Prends le contrôle de ce moment. Que ta volonté se fasse, Seigneur. Oh, je veux m'appuyer sur toi. Sans toi, Seigneur, je ne suis rien. Sans toi, je n'ai aucune inspiration. Sans toi, je ne peux rien faire, Seigneur. Oh, je te cède la gloire. Je te rends la gloire, Seigneur. Les encouragements, toutes les admirations que les hommes peuvent nous donner, Seigneur, je te les offre. Parce qu'en réalité, c'est toi qui fais toutes choses. Tous les miracles que les hommes vivent au travers de nos vies, Seigneur mon Dieu, Seigneur, je te rends la gloire, Seigneur. Oh, je m'appuie sur toi. Tu es mon appui. Tu es mon rocher. Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni, qu'à lui seul soit la gloire ce soir. Le Dieu véritable, le ressuscité, il vit et il existe par lui-même. Il n'a été créé par personne. Il est le rocher des siècles. À lui soit la gloire ce soir. Un seul nom mérite d'être élevé, c'est le nom de Jésus. Un seul nom mérite la gloire, c'est le nom du Seigneur. Et ce soir, je veux vraiment élever son nom, bénir son nom. Nous allons commencer. Vous êtes donc les bienvenus à Fondement Apostolique. Voilà, soyez tous les bienvenus. Que la paix, la grâce du Seigneur soit avec vous. Que la main de Dieu vraiment soit dans vos vies. Et ce soir, nous retrouvons pour notre rendez-vous hebdomadaire. Je salue tous ceux-là qui nous suivent à travers l'Europe, à travers le monde entier. Tous ceux qui nous suivent à travers l'Afrique, à travers la France. Ceux qui nous suivent du côté de la Belgique. Tous ceux qui nous suivent aux États-Unis ici. Voilà, nous sommes, donc là il est 16h40, heure de Washington, donc 20h40 je pense bien, GMT, et je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne, il nous a gardé jusqu'à ce jour. Voilà, donc nous sommes à notre rendez-vous de la parole. Vous savez que cette émission, ce live vise le corps de Christ, vise les chrétiens nés de nouveau. C'est un live qui vise d'abord le corps de Christ, mais bien évidemment, on peut aussi inviter des personnes qui cherchent le Seigneur, mais c'est plutôt de l'enseignement pour ceux qui sont déjà convertis. Le Seigneur nous a mis à cœur le perfectionnement de l'Église. La Bible dit Éphésiens 4:11 qu'il a donné les apôtres, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, les pasteurs,
et les voilà pour le perfectionnement, les prophètes, pour le perfectionnement des saints en vue du ministère. Et nous voulons emmener l'église au perfectionnement au travers de ces émissions, au travers de ce live. Nous voulons emmener l'église au perfectionnement dans la parole, perfectionnement dans la foi, que les chrétiens deviennent plus matures et plus aguerris pour pouvoir exercer le ministère, pour pouvoir être utile dans le royaume de Dieu, pour pouvoir aussi impacter leur génération. Donc voici un peu pourquoi nous retrouvons. Et tu te trouves à la bonne place, toi qui es assoiffé de croissance spirituelle, toi qui veux grandir spirituellement, tu es à la bonne place. Avec ces enseignements, par la grâce de Dieu, tu vas grandir, tu vas mûrir, tu vas t'affermir davantage, et ce sera vraiment l'occasion pour toi de manifester des choses de Christ, d'entrer en profondeur dans ta relation avec Dieu, et tout ça vraiment bien évidemment pour que le nom de Jésus soit encore glorifié dans notre génération. Donc dispose-toi encore ce soir. Dispose-toi encore ce soir. Le Seigneur est avec nous. Nous attendons à lui. Vous savez, je lui rends la gloire pour tout ce qu'il fait. Il est merveilleux, il est excellent. Il est glorieux. Vous savez, peu importe ce que Dieu fait avec nous, nous sommes que des hommes. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui fait des miracles. C'est Dieu qui se manifeste. C'est Dieu qui se glorifie. Et on veut lui rendre la gloire dans tout ce qu'il est en train de faire. Si tu es béni depuis que tu nous suis, rends gloire à Dieu. Attache-toi à lui. Si tu es encouragé par ce programme, rends la gloire à Dieu. Vous comprenez, rends la gloire à Dieu et soutenez-nous en prière pour que le Seigneur vraiment nous inspire toujours la bonne parole à partager selon le mandat qu'il nous a donné. Donc, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Et vous pouvez donc, sans regarder aux dénominations, partager. Voilà, peu importe le groupe chrétien. Vous pouvez envoyer ce passage, ce lien, c'est pour toute l'église corps de Christ à travers le monde entier. Alléluia. Donc nous allons commencer, je vais commencer par faire un rappel. Voilà, nous sommes depuis un moment en train de partager sur le royaume de Dieu. Voilà, un des premiers points que nous touchons, qui est vraiment, si vous voulez, la base de tout ce que nous allons enseigner, c'est le royaume. Le Seigneur a dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. » Le royaume de Dieu est la priorité de l'évangile de Christ. Est la priorité des enseignements de Jésus-Christ. Est la priorité du message de la bonne nouvelle. Et on ne peut pas enseigner sans connaître le royaume, sans connaître les réalités du royaume, sans connaître les caractéristiques du royaume. Et depuis un moment, nous sommes dedans. Alors, je voulais vraiment vous bénir et dans le Seigneur et vous dire que nos enseignements sont disponibles sur À la porte du temple. À la porte du temple, c'est notre chaîne YouTube. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez À la porte du temple et vous abonnez à cette chaîne et vous aurez régulièrement les enseignements qui seront postés. Tout ce que nous faisons ici, nous le préparons et nous le mettons dans un très bon format vidéo pour que vous puissiez, n'est-ce pas, les réécouter, les partager. Et je vous encourage à partager. Vous savez, c'est une bénédiction, c'est une grâce pour le corps de Christ, ces temps dans lesquels nous sommes avec de tels programmes. Donc, partagez au maximum. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Donc, on a commencé à partager sur le royaume. On a vu plusieurs phases du royaume. Et la dernière fois, nous avons commencé ce thème que nous allons terminer aujourd'hui, par la grâce de Dieu. C'est comprendre et accepter les principales caractéristiques du royaume de Dieu. Comprendre et accepter les principales caractéristiques du royaume de Dieu, partie 2. Aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième partie. La dernière fois, on a commencé, voilà, par introduire, on a développé des points et on n'a pas terminé, on a dit qu'on continue aujourd'hui. Donc, j'expliquais donc la dernière fois que le royaume de Dieu, comme vous le savez, signifie gouvernement royal. Royaume signifie gouvernement royal. Voilà, gouvernement royal ou pouvoir royal. Et dans le royaume de Dieu, il y a deux grands axes. Voilà. Mais ces deux grands axes-là nous débouchent sur trois caractéristiques qu'on va étudier. Les deux grands axes, c'est quoi? C'est l'autorité, voilà, et la puissance. Donc, la dernière fois, on a beaucoup plus parlé de l'autorité et on a dit qu'on allait continuer à parler de la puissance aujourd'hui. Donc, je reviens tout petit peu. Dans l'autorité, c'est le premier point que nous avons vu, le premier axe. Et dans cet axe-là, nous avons vu deux caractéristiques. Le premier point, c'était quoi? C'est que l'autorité vient du grec exousia. Et exousia signifie autorité légale, n'est-ce pas? Ou, voilà, pouvoir de décision, n'est-ce pas? Ou capacité de décision approuvée. Donc, autorité légale. Et on a vu que dans exousia, la première chose que nous voyons, c'est la position. Vous voyez la position.
L'autorité parle d'abord d'une position. Une position que Dieu nous donne. Une position élevée. Et Dieu lui-même a le trône élevé. Il a la position la plus élevée. La Bible dit dans Ésaïe 6 que l'année de la mort du roi Ozias, le prophète a vu l'Éternel assis sur un trône très élevé. Plus élevé, le trône le plus élevé. Dieu occupe la position la plus élevée de tout l'univers parce qu'il est au-dessus de toute chose. Et donc, c'est cette position qui lui donne de l'autorité. L'autorité commence par une position que tu occupes. Si tu occupes une position qui n'est pas élevée, tu peux pas manifester une grande autorité. Donc, Dieu exerce son autorité parce qu'il est au-dessus de tous. Vous voyez? Il a une position élevée. Et donc, l'autorité parle, la position légale parle de quelqu'un qui est investi. Et Dieu, on voit Dieu, par exemple, qui est le roi. Vous voyez, on voit Jésus-Christ qui est le roi. Et on voit dans la Bible plusieurs fois où Dieu a suscité des rois ou des personnes élevées à une certaine position d'autorité. La Bible nous dit même dans Matthieu, dans Romains 13 que c'est Dieu qui a institué toute autorité. Toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui a institué les autorités. Donc, on voit la position légale et on voit que dans le royaume, c'est une des caractéristiques vraiment majeures. L'autorité commence par une position. Voici pourquoi la Bible dit que Christ nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Il nous a donné une position élevée. Et on a parlé. Les gens disaient à Jésus, par quelle autorité tu fais les choses? C'est-à-dire, quelle est l'exousia? Par quelle exousia tu fais les choses? La première chose avec exousia, c'est la position. On a vu ça, on a longuement développé. Je vais pas revenir sur tous les passages. La deuxième chose, on a vu que dans exousia, avec la position, Jésus avait dit aux disciples, je vous donne le pouvoir de chasser les esprits. Dans Luc 10, 19, dans Matthieu 10, 1, je vous donne le pouvoir de chasser les scorpions, tout ça. Il leur donna ce pouvoir-là, c'est exousia. C'est la position élevée qui nous permet d'exercer, de commander. Parce qu'on a dit que cette position permettait de commander, d'ordonner. Donc, la première chose que le chrétien doit découvrir dans le royaume, c'est exousia. La position. Quelle est ta position en Christ? On a parlé un peu de ça. Voilà. Et on a vu plein de passages. La Bible dit, par exemple, le passage qui dit, il a donné le pouvoir à tous ceux qui l'ont cru. Jean 1, 12. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir ici, c'est exousia. Il a donné la position. Il a donné le droit. La position ici parle aussi du droit. On a parlé de ça. Un droit légal. Un droit légitime. Donc, il a donné la position élevée de devenir enfant de Dieu. Donc, on devient enfant de Dieu par une position que Dieu nous donne. Dieu nous donne une position dans la création qui fait de nous des enfants de Dieu. Vous voyez, donc, on a parlé un peu de tout ça la dernière fois. La deuxième chose, donc, la première des choses, c'est la position dans exousia. On est toujours dans exousia. La deuxième des choses, c'est la loi. La loi ou la parole, n'est-ce pas, ou la législation. Donc, c'est un ensemble de règles, c'est un ensemble de lois qu'il faut suivre, qu'il faut respecter, et c'est cette loi-là, c'est cette test-là qui supporte, qui valide, n'est-ce pas, la position. Donc, le pouvoir s'exerce aussi par la loi, et je parlais de ça, je disais que on voit la législation, voilà, et on voit que Christ lui-même est venu comme un législateur, il enseignait avec autorité, il y avait une certaine autorité dans son enseignement. Pourquoi? Parce que exousia aussi s'exerce par l'enseignement, par la parole, par la loi. Et comme vous lisez par exemple dans Malachie 2:7, la Bible dit quoi? Les lèvres du sacrificateur gardent la loi. Et je disais que la législation aussi parle du sacrificateur. On ne peut pas, vous voyez, parler de législation, d'exousia sans parler du sacerdoce. Le sacerdoce est la manifestation d'exousia. Voici pourquoi quand Dieu a suscité les enfants d'Israël, une des premières choses qu'il a faites quand il les a sortis d'Égypte, il leur a donné un sacerdoce. Il leur a donné une loi. Il leur a donné une parole pour les diriger. Une parole à partir de laquelle ils pouvaient exercer son autorité sur eux. Et donc, exousia parle aussi de la législation. Et cette législation, c'est le sacerdoce. Donc, quand la Bible dit qu'il a fait de nous dans 1 Pierre 2, 9, un royaume des sacrificateurs, ça parle d'exousia. Ça parle d'un royaume, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Les rois ici, c'est la position. Et les sacrificateurs ici, c'est la législation. Donc, on a parlé un peu de ça. On va aller dans plus de détails. On aura la possibilité de développer le sacerdoce. On aura la possibilité de parler de plusieurs choses. Donc, c'était les deux premières caractéristiques qu'on a vues. Dans le royaume de Dieu, il y a la position élevée. Chaque chrétien doit connaître sa position, doit savoir qu'il a une position qui lui permet d'expérimenter lui-même le royaume et aussi d'exercer le royaume. C'est-à-dire d'être un agent, voilà, du royaume, d'être un administrateur du royaume. Ok, le royaume de Dieu a ces deux caractéristiques. Ce sont les deux
première caractéristique, la position. Quelqu'un qui n'a pas de position, quelqu'un qui n'a pas la loi ou la parole ou le règlement de Dieu n'est pas dans son royaume. Comment tu sais que quelqu'un est dans le royaume? C'est parce que, premièrement, il est positionné. Deuxièmement, il travaille sous l'autorité d'une loi. Il y a une loi qui gouverne sa vie. Par la loi, par la législation, il est approuvé. Par la législation, il est éduqué. La législation vient pour éduquer. Voilà. Donc, on a parlé un peu de tout ça la dernière fois. Et tout. Donc, ça, ce sont les deux premières caractéristiques qui sont issues du premier axe du royaume, c'est-à-dire exousia. OK? Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance. Dans le royaume aussi, il y a l'aspect puissance. Avant de parler de ça, je veux simplement prier pour que le Seigneur dispose cette atmosphère au nom de Jésus-Christ. Et nous allons entrer dans cette parole au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour ta grâce, pour ta faveur. Merci pour ce temps que tu nous donnes pour de partager ta parole. Seigneur, inspire-nous. Je prie que tu disposes le cœur de tout un chacun. Que toute distraction soit éloignée sur cette plateforme. Que les cœurs soient réceptifs à ta parole. Que ta parole vienne pour transformer des vies, changer des cœurs. Et que l'église soit bâtie. Seigneur, nous sommes à fondement apostolique pour bâtir des vies. Nous prions que ces enseignements viennent pour combler, pour bâtir, pour communiquer vraiment ce qui manquait à la fois des bien-aimés sur cette plateforme. Au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, que toute la gloire te revienne et que ta volonté se fasse ce soir. Amen. Amen, amen, amen. Donc, bien-aimés, nous rentrons directement dans le vif du sujet. On a parlé de la puissance. Donc, aujourd'hui, je vais parler de la puissance dans le royaume. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20. Quelque chose de très important que nous devons savoir. On va parler. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20. Alors, la Bible nous dit ceci, bien-aimés. Voilà. On nous dit ceci, car le royaume de Dieu n'est pas seulement en parole, mais en puissance. Alléluia. Le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement la parole. Le royaume, c'est aussi la parole. On a dit tout à l'heure, la législation, c'est la parole. Donc, dans le royaume de Dieu, il y a un aspect parole. Il y a un aspect enseignement. Il y a un aspect loi. Comme on a dit, ça fait partie des caractéristiques du royaume. Mais ce n'est pas seulement ça. Aussi vrai qu'il y a la parole, mais la Bible dit le royaume de Dieu aussi consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Amen. Mais en puissance. Vous voyez, en puissance. Le royaume ne consiste pas seulement en parole, mais le royaume consiste aussi en puissance. Vous comprenez? En puissance, parce que c'est, le royaume de Dieu est puissant. Quand on prend un autre passage dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4 à 5, Paul, l'apôtre Paul disait ceci. Il dit, mais ma parole et ma prédication n'ont pas été en parole persuasive de la sagesse, mais en démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc, la puissance de Dieu est un élément qui fait partie du royaume de Dieu. Notre foi ne doit pas être seulement bâtie sur des paroles, mais aussi sur la puissance. Il dit, afin que votre foi ne repose pas seulement sur des discours, mais sur la puissance de Dieu. S'il y a des paroles qui ne sont pas accompagnées de puissance, la foi n'est pas complète. Vous comprenez? Comprenez? Parce que, il disait que son évangile, sa prédication était aussi basée sur une démonstration d'esprit de puissance. La puissance fait partie du royaume de Dieu. Un royaume qui n'est pas puissant, c'est un royaume faible. Et le royaume de Dieu doit être puissant. C'est pour ça que la Bible dit que le royaume de Dieu n'est pas seulement parole, mais aussi puissance. Beaucoup de gens n'ont pas cet équilibre. Ils prennent seulement la parole, il n'y a pas de puissance. Et on va parler de la puissance aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont plus attachés à la parole, mais ils n'ont pas de puissance. Ils ne vivent pas la puissance de Dieu. Ils ne connaissent pas la puissance de Dieu. Ils sont étrangers à la puissance de Dieu. Ils ne vivent pas pleinement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la parole, mais aussi la puissance. Et je vais vous expliquer ce que c'est que la puissance aujourd'hui. Parce que c'est une des caractéristiques principales du royaume. Les trois caractéristiques que nous sommes en train de voir, la position, la parole ou la loi et la puissance. Ce sont ces trois caractéristiques-là à partir desquelles le royaume de Dieu fonctionne. Amen. Donc, voici, ça représente trois choses simplement. Ça nous parle un peu de comment Dieu s'est révélé. La position, c'est le Père, c'est-à-dire Dieu qui est au-dessus de tout. La parole, c'est Christ, la parole faite chair. La puissance, c'est le Saint-Esprit, tout simplement. Vous comprenez? C'est les trois choses. C'est-à-dire, c'est des révélations de Dieu. C'est des caractères de Dieu qui sont dans son royaume.
Tu ne peux pas dire que tu marches avec Dieu, tu es dans son royaume et tu ne connais pas la position. Tu n'as pas de, il n'y a pas de position. Tu es étranger au positionnement spirituel. Tu es étranger à la parole et tu es étranger à la puissance. Tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Ce sont les trois choses autour desquelles s'articule le royaume. Ce sont les trois caractéristiques majeures du royaume. Alléluia. Donc, voici un peu ce que je peux vous dire. Donc, on nous dit ici que le royaume ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et nous allons prendre donc le mot puissance. Qu'est-ce que le mot puissance signifie? Le mot puissance vient du grec dynamis, ok? Le mot puissance, je définis d'abord, le mot puissance vient du grec dynamis, le mot grec dynamis, qui a donné en français dynamite, explosion, ok? La dynamite, c'est comme une explosion, c'est comme une petite bombe, une bombe. Donc, le mot dynamis, c'est explosif. Dynamis, c'est une explosion, on ne peut pas retenir, c'est une puissance qu'on ne peut pas contenir, c'est une puissance qui se répand, c'est une puissance qui affecte l'environnement immédiat comme une bombe. C'est dynamis, ok? Donc on parle de puissance, on parle de dynamis. Et qu'est-ce que signifie dynamis? Dynamis signifie pouvoir miraculeux, ok? Ça signifie un pouvoir miraculeux. Ça signifie aussi une force ou une capacité surnaturelle, ok? Donc le mot dynamis signifie puissance ou pouvoir miraculeux, ok? Ça signifie aussi une force, une capacité surnaturelle. Donc, dynamis, c'est la puissance ici, c'est quelque chose qui va au-dessus du naturel, qui est extraordinaire, qui est surnaturel. Ok? La puissance de Dieu va au-delà de la force des hommes. Donc, quelqu'un qui est fort physiquement, ce n'est pas dynamis. Dynamis, c'est quelque chose qui dépasse la force d'un homme normal. C'est quelque chose qui va au-delà des capacités d'un homme normal. Ok? Je vous donne un exemple dans la Bible pour que vous voyez un peu de quoi il s'agit et ensuite on va parler. Dynamis, par exemple, quand vous prenez Luc chapitre 1, verset 35, qu'on va lire rapidement, on va prendre quelques passages pour parler de dynamis, de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'a rien à voir avec les dons spirituels. D'abord, non, c'est pas ça. La puissance de Dieu, c'est beaucoup plus que ça. Alléluia. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est beaucoup plus que des dons spirituels. C'est pas seulement des dons spirituels. Les dons spirituels font partie, mais c'est pas seulement ça. Ok? Donc, Luc chapitre 1, verset 35. On nous dit quoi? Que l'ange, quand Marie, l'ange est venu parler à Marie, on va lire du verset 30 au verset 35. On dit, et l'ange lui dit, ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Donc, Luc chapitre 1, verset 30 à 35. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici, tu concevras dans ton ventre et tu enfanteras un fils et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Et il régnera sur la maison de Jacob à toujours. Il n'y aura pas de fin à son royaume. Un royaume éternel. Vous voyez, ça c'est surnaturel. Il ne va pas venir établir un royaume comme les autres royaumes qui ont un début, une fin. Le royaume que Christ va venir établir, c'est un royaume éternel. C'est un royaume qui va au-delà des capacités humaines. Un royaume qui n'aura pas de fin. Et l'ange répondit, et Marie plutôt dit à l'ange, comment ceci arrivera-t-il puisque je ne connais pas d'homme, je suis une vierge, comment est-ce que je peux être enceinte? L'ange maintenant lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et le dynamis du Très-Haut te couvrira de son ombre. La puissance du Très-Haut, c'est dynamis ici. Ici, c'est le mot, quand vous étudiez la Bible, c'est le mot grec dynamis. Et le dynamis du Très-Haut te couvrira de son ombre. La capacité surnaturelle du Très-Haut, le pouvoir, n'est-ce pas, miraculeux, te couvrira. C'est pourquoi, ainsi, aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée, l'enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Vous comprenez? Donc, le dynamis va venir sur toi. La puissance parle, c'est la capacité surnaturelle. Donc, ce n'est pas de manière naturelle que Marie était tombée enceinte. Jésus n'est pas né d'une grossesse naturelle. Il est né d'une grossesse surnaturelle. Vous voyez un peu. Donc, on nous parle de dynamis. Vous voyez un peu. Ça, c'est un exemple que je vous prends, par exemple, pour vous parler. Marie est tombée enceinte par dynamis. Donc, c'est le pouvoir miraculeux. Les miracles se font par dynamis. Et le royaume de Dieu est un royaume de miracles. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se lèvent pour dire que non, il y a trop de miracles. Pourquoi les miracles? Il y a des faux miracles. C'est vrai, il y a des faux miracles. Mais les miracles font partie de l'expression du royaume de Dieu. S'il n'y a pas de miracles, il n'y a pas de royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est un royaume de miracles. Alléluia. Un chrétien doit marcher dans les miracles. Un homme de Dieu doit marcher dans les miracles.
il doit grandir dedans. Ce n'est pas normal que des chrétiens aujourd'hui ne croient plus au miracle. Vous savez, s'il y a une des choses que Satan combat aussi, c'est dynamis. S'il y a une des choses que Satan combat dans l'église, c'est dynamis. S'il y a une chose aussi que Satan veut éteindre dans l'église, c'est dynamis. Pourquoi? Parce que dynamis est la puissance de Dieu révélée. C'est la puissance de Dieu qui est en train d'agir. Vous savez que Satan, la Bible nous dit quoi? Il y a une puissance des ténèbres. Satan a une puissance. Ce n'est pas la puissance de Dieu, c'est une autre puissance. Et on ne peut pas combattre une puissance sans puissance. C'est par la puissance qu'on combat des puissances. Les puissances des ténèbres ont besoin de rencontrer une puissance supérieure. Vous comprenez? C'est par la puissance. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, j'irai chez vous et je connaîtrai votre puissance. Quelle est la puissance de ces hommes-là? Non pas les paroles, mais quelle est leur puissance? 1 Corinthiens chapitre 4. Car le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais en puissance. C'est une confrontation. Il dit, j'aimerais tester leur puissance. C'est pour ça que quand on a affaire à des hommes des ténèbres, à des puissances des ténèbres, ce n'est pas des discours, ce n'est pas par des paroles simples, c'est par la puissance. La confrontation se fait au niveau de la puissance. Si tu as fait un sorcier, c'est la puissance qui va déterminer. Quand Moïse est parti rencontrer Pharaon et que les magiciens de Pharaon se sont levés, il y a une confrontation des puissances. Ce n'était pas des discours. Il fallait maintenant démontrer quel est le message que tu as, la prédication que tu prêches s'appuie sur quoi? Ça s'appuie sur des versets, ça s'appuie sur quoi? Ça s'appuie sur quelle puissance? Et c'est comme ça que Moïse a pu triompher, a pu amener la défaite dans le camp des pharaons. C'était un combat de puissance. La délivrance d'Israël s'est faite par la puissance de Dieu. Par la puissance des miracles. C'était pas trop des discours. Laisse aller mon peuple. Non, je veux pas, tu veux pas. Si tu ne veux pas, voici ce qui va arriver. C'était comme ça. À un moment donné, faut plutôt, les chrétiens n'ont plus cette dimension de puissance. Ils parlent beaucoup. Voici pourquoi. Vous savez, l'évangile ne se prêche pas seulement avec des mots. Ça se prêche aussi avec des actions. Ça se prêche aussi par la puissance. Je sais de quoi je vous parle, mes frères. Il y a eu des histoires, des échanges avec des gens où on était obligé d'aller dans le domaine de la puissance. Pour dire, si je suis un homme de Dieu, je déclare telle parole, voici ce qui va arriver. Voici ce qui va t'arriver. Voici ce qui arrivera, je déclare ça au nom de Jésus-Christ. Et puis on observe pour voir. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui se sont repentis. La repentance ne vient pas toujours parce que la personne accepte la parole. La personne ne va pas accepter la volonté de Dieu toujours avec un cœur humble. Pharaon n'a pas laissé le peuple partir parce qu'il aimait Dieu. Non, il a laissé le peuple partir sous contrainte par une puissance. Je veux dire que tu peux avoir l'autorité, mais s'il n'y a pas la puissance, on peut bafouer ton autorité. Vous comprenez? La puissance sert à confirmer l'autorité que tu as. La puissance sert à valider l'autorité que tu as. La puissance sert aussi vraiment comme un outil pour amener le respect, pour amener la crainte, pour amener de l'ordre. Il faut de la puissance. Voici pourquoi dans nos sociétés, il y a le pouvoir exécutif, n'est-ce pas? Il y a le pouvoir judiciaire, mais il y a aussi les forces de l'ordre. L'autorité peut donner un ordre, les gens ne respectent pas. Les forces de l'ordre représentent la puissance. Ils ont des pistolets, ils ont des armes. Et quand ils viennent, ils ne demandent plus ton avis. Il faut respecter la loi. Ce sont des forces de l'ordre. Des gens qui sont là pour faire exécuter la loi. Et dans le royaume de Dieu, Dieu n'est pas seulement un Dieu qui a une position élevée. Dieu n'est pas seulement un Dieu qui a donné une loi. Dieu aussi a une puissance pour amener ceux qui ne sont pas soumis à être soumis. Dieu est capable de démontrer son autorité par la puissance. Et la puissance de Dieu, ce n'est pas des discours. La puissance de Dieu, c'est la souveraineté. La puissance de Dieu vient pour établir la seigneurie de Jésus-Christ. Voici pourquoi une des caractéristiques du royaume, c'est un royaume aussi de puissance. Donc, il dit, le Tout-Puissant te couvrira de son ombre et tu vas tomber enceinte. Là, c'était la puissance. La puissance aussi, la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 1:18, que l'évangile est une puissance. Je donne quelques passages, après on va vraiment continuer l'explication. Donc, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, la Bible nous dit quoi? Car la parole de la croix, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu, elle est le dynamis de Dieu. C'est par puissance, c'est avec une puissance, avec dynamis qu'on a été sauvé. Ce n'était pas seulement avec des discours.
Jésus n'a pas seulement dit, je vais vous sauver. Il fallait qu'il manifeste une puissance. Il fallait qu'il aille dépouiller à la croix, d'après Colossiens 1, les puissants des ténèbres. Il fallait qu'il aille déposséder. Il fallait qu'il aille les livrer en spectacle. Voilà. Il fallait qu'il aille triompher de Satan. Il fallait qu'il y ait une puissance qui soit exercée. Alléluia. L'évangile, c'est aussi la puissance pour le salut de quiconque croit. Dans l'évangile, il y a l'aspect puissance. L'évangile, c'est pas seulement Jésus-Christ allé mourir à la croix. Dieu nous aime. Le Dieu qui nous aime, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui a de l'autorité. C'est un Dieu qui a pris les clés du séjour des morts. Il dit, désormais, j'ai la clé. J'ouvre et personne ne peut fermer. J'ai fermé, personne ne peut ouvrir. Voici le Dieu que nous servons. C'est un Dieu de puissance. C'est un Dieu d'autorité. Donc, la puissance, c'est dynamis. C'est le surnaturel de Dieu. Alléluia. Alléluia. On prend un autre passage dans Luc chapitre 4, verset 14. La Bible nous dit ceci, et ça je vais expliquer quelque chose là. Non, plutôt on va lire ça après. On va prendre Luc 24, verset 49. Quand les apôtres ont vu la résurrection de Jésus-Christ, il s'est manifesté à eux et il va leur dire dans Luc 24. Il a dit, verset 48 d'abord, Luc 24, verset 48, il dit, et vous êtes témoins de ces choses, et voici je vous envoie, j'envoie sur vous la promesse de mon Père, mais vous demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il a dit, ne sortez pas de Jérusalem, vous devez d'abord être revêtus de puissance. Je vais vous dire quelque chose, la puissance de Dieu n'est pas un don spirituel, la puissance de Dieu c'est un équipement. La puissance de Dieu aussi, c'est une récompense quelque part. C'est, quand je dis une récompense, c'est plutôt un garant. Vous voyez que Dieu met, Dieu investit sa puissance dans quelqu'un quand la personne est qualifiée pour une œuvre. Dieu ne donne pas sa puissance à tout le monde comme ça. La puissance de Dieu est censée être en nous. La puissance de Dieu est censée être avec nous. Mais la puissance de Dieu se manifeste lorsque nous atteignons le point où nous sommes, où nous devons aller en mission. La puissance de Dieu nous est accordée pour travailler pour Dieu. Il dit, n'allez pas d'abord, mais attendez que je vous envoie, vous soyez revêtis de la puissance de dynamis qui vient d'en haut. Tant que dynamis ne vient pas, n'allez pas vers les brebis perdues. Tant que dynamis ne vient pas, n'allez pas prêcher. Ça, c'était avant de commencer leur ministère officiellement. Vous comprenez? Jésus les a gardés, il a dit d'attendre. L'attente, ça, c'est le signal. Je vous dis, beaucoup de gens ont commencé à servir Dieu. Parce que quand on parle de la puissance, ça parle du service d'abord. Ok, la puissance vient pour nous rendre capables. Ça nous donne la capacité surnaturelle de pouvoir servir Dieu dans un ministère. Sans la puissance de Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Il y a beaucoup de gens qui servent Dieu sans la puissance. Et je vais vous expliquer comment vous pouvez savoir que vous êtes dans la puissance ou pas. Vous comprenez? Beaucoup de gens servent Dieu sans attendre que la puissance vienne. Quand la puissance vient, tu sais quand c'est venu. Ça ne vient pas au hasard, non. Ça ne vient pas à ton insu. C'est de manière consciente. Tu sais que tu as été impacté d'une puissance, tu sais, et que ça valide le mandat que Dieu t'a donné. Vous comprenez? Voilà. Il y a plusieurs dimensions dans l'esprit de Dieu, mais la puissance vient du Saint-Esprit. C'est pas la partie du Saint-Esprit qui a déclenché ta conversion. C'est pas ça. Non. C'est un autre niveau. C'est un autre aspect. C'est une autre dimension du Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit, mais dans une autre forme d'opération. Il y a la première opération qu'on expérimente avec le Saint-Esprit, c'est ce qui transforme notre cœur. Ok? C'est intérieur. Ça travaille à l'intérieur de nous. Ça travaille, c'est de cet esprit-là qu'on doit être rempli. C'est parce que c'est à l'intérieur que ça travaille. Ok? Ça, c'est pas encore la puissance. Vous comprenez? Non. Ça, c'est pas encore la puissance. Ça, c'est cette onction qui nous enseigne à l'intérieur, qui nous transforme à l'intérieur. La puissance, ça vient après. Je vais vous donner un exemple. Donc ici, déjà, on voit, Jésus a dit, n'allez pas tant que je ne vous ai, la puissance de haut n'est pas venue. Et on voit que c'est dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, que la puissance est venue. L'esprit en tant que puissance. Regardez. Quand Jésus-Christ est né, il était rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Il est né par l'esprit. Ok? Il est né par la vertu de dynamis. Donc dynamis est venu créer des conditions pour que Jésus-Christ vienne au monde. Mais quand Jésus-Christ est né, il n'était pas revêtu de dynamis. Non. Il avait l'esprit depuis le ventre de sa mère, mais il n'avait pas encore reçu la puissance. Il n'était pas encore puissant. Non. Il était petit. Il croissait, la Bible dit, dans Luc chapitre 2, il croissait en stature.
Vous voyez? Mais il n'était pas encore revêtu. Quand on arrive dans Matthieu chapitre 3, là, Jésus va se faire baptiser. Et quand il était baptisé, il était rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est pas encore la puissance. Quand il était rempli du Saint-Esprit, il était conduit dans le désert. Alléluia. Et quand il était conduit dans le désert, il a été tenté. Il a été éprouvé. Il a été testé. Et il a vaincu Satan. Je vais vous dire quoi? Satan a été vaincu sans la puissance. Jésus n'a pas eu besoin de la puissance, il n'a pas eu besoin de dunamis pour terrasser Satan. Pour valider son test, il a eu besoin d'exousia. C'est avec exousia, je vous ai expliqué l'autorité. Il dit, si tu es fils de Dieu, ça c'est exousia. Et c'est avec l'autorité, avec la statue de fils de Dieu, avec cette autorité et la parole, la position et la parole que Satan était vaincu par Jésus-Christ. En ce moment, Jésus n'était pas encore revêtu de la puissance d'en haut. Et je veux dire que beaucoup de chrétiens pensent que c'est d'abord avec la puissance qu'ils vont vaincre Satan. Non, la victoire avec Satan commence par exousia. La victoire sur les démons commence par exousia. Si exousia ne travaille pas dans ta vie, tu ne seras pas revêtu. C'est avec exousia qu'on amène la défaite chez Satan. C'est avec l'autorité et la parole. Cette autorité, c'est la position que Dieu nous a donnée. Si tu n'es pas conscient de cette position, Satan va te vaincre. Parce que le premier combat avec Satan, ce n'est pas un combat de puissance, c'est un combat de ta position d'identité. Es-tu fils de Dieu? Un combat d'identité et un combat sur la parole. C'est les deux premiers niveaux où Satan te combat. Il veut que tu doutes de ton identité et il veut pas que tu gardes la parole que Dieu t'a donnée. Donc, il te combat sur ton identité. Est-ce que tu es fils de Dieu? Est-ce que tu es réellement établi? Est-ce que Dieu t'a vraiment appelé? Est-ce que tu peux vraiment marcher comme Christ? Est-ce que tu peux vraiment marcher dans la sainteté? Est-ce que tu peux vraiment obéir à Dieu? Satan te combat sur ça d'abord. Il envoie les pensées, il envoie les attaques, les circonstances pour que tu perdes ton identité, pour que tu commences à pécher, à douter. Et ensuite aussi, il envoie les attaques sur la parole pour que tu perdes ta feuille de route. Vous comprenez? On parlera de ça prochainement. Mais je voulais nous dire ici que la première des choses, c'est que c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est quand Jésus-Christ a fini de vaincre Satan que dans Luc 4, verset 14, maintenant qu'on va prendre, j'espère que vous me suivez hein, au nom de Jésus. Nous sommes en train de parler de la puissance. Mes amis, le royaume de Dieu, c'est un royaume de puissance. Et on doit savoir comment ça marche. On a besoin de la puissance de Dieu. Un chrétien doit avoir la puissance. Un chrétien qui n'est pas puissant, c'est pas un chrétien. Je vous dis la vérité. Un chrétien fait passer dans le royaume. Tu veux pas être dans le royaume et puis être faible. Manquer de puissance. Je viens. Luc chapitre 4. À partir du verset 14. Voilà. On nous dit donc, Jésus s'en retournant en Galilée dans la puissance de l'Esprit et sa renommée se répandit dans tout le pays. On dit Jésus s'en retourna en Galilée, dans le dunamis de l'esprit. Jésus, donc, c'est quand il a fini la tentation qu'il a été revêtu de dunamis. Beaucoup de gens veulent que Dieu les réveille, mais ils ne peuvent même pas résister à Satan. Ils ne peuvent même pas déjà utiliser exousia. Je vous dis, Dieu est un Dieu de protocole. Exousia, c'est-à-dire la position et la parole de Dieu, ça vient d'abord. Et ensuite, la puissance vient. S'il n'y a pas l'exousia, et qu'il n'y a pas la parole, tu ne peux pas exercer dans la puissance. Beaucoup de gens veulent comprendre comment d'autres arrivent à manifester la puissance. Je vais vous expliquer certaines choses par rapport à la puissance dont je parle ici. La puissance ici, ce n'est pas des dons spirituels. Vous savez, les dons spirituels peuvent se manifester à la conversion. Les dons spirituels, ce sont des aptitudes, on les appelle charismes, n'est-ce pas? Ce sont des charismes, n'est-ce pas? Voilà, des aptitudes particulières que Dieu nous donne. Ok? Tu peux manifester charisme même sans être dans la puissance. Tu peux manifester charisme en étant nouveau dans la foi. Mais la puissance de Dieu, tu peux pas manifester ça en étant nouveau dans la foi. Non, c'est pas possible. La puissance de Dieu dont on parle ici, là, les apôtres n'ont pas manifesté ça au début. Ça veut dire quoi? Quand les apôtres partaient chasser les démons dans Matthieu chapitre 10, dans Luc chapitre 10, quand ils allaient chasser les démons, ils le faisaient sans la puissance dunamis. Ils le faisaient avec exousia. Quand ils partaient chasser les démons par-ci, par-là,
Et il revenait dire lui-même les démons sont chassés. Il le faisait avec exousia. Pourquoi? Parce que c'est dans Matthieu, Luc 24, que Jésus l'a dit, je vais vous envoyer la promesse. Avant ça, il n'avait pas encore envoyé la promesse. Donc, il ne travaillait pas dans, il n'opérait pas dans la puissance. Vous savez, vous pouvez opérer les dons spirituels simplement, à un niveau le plus élémentaire. Comme les apôtres. C'est pour ça, des fois, ils partaient, ça marchait pas. Des fois, ils partaient, ça marchait. C'est-à-dire qu'ils n'étaient, ils ne maîtrisaient pas encore. Et il n'y avait pas une puissance qui accompagnait. Vous comprenez? Beaucoup de chrétiens travaillent au niveau des dons spirituels, ils pensent que c'est ça la puissance. C'est pas ça la puissance. Non, c'est pas ça la puissance, frère. Non. La puissance, c'est plus que ça. Je vais vous expliquer. Mais déjà, si même au niveau élémentaire, beaucoup de chrétiens ne peuvent même pas faire des délivrances avec exousia, vous voyez dans quel problème on se retrouve. À quel moment on va arriver au niveau de la puissance de Dieu? La puissance, c'est bien plus que ça. Donc, c'est dans Actes des Apôtres que la puissance est venue sur eux. Quand la puissance est venue sur eux, on ne nous dit plus jamais que les disciples ont échoué devant une délivrance ou devant un miracle. Plus jamais. Ça, c'était avant que la puissance vienne, que des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Quand la puissance est venue, toutes les fois qu'on emmenait des malades, des possédés, où il y avait des challenges spirituels, ils réussissaient tous. Pourquoi? Parce qu'ils travaillaient avec une énergie supérieure. Ils travaillaient dans un autre niveau. Vous comprenez? Et ceux qui sont beaucoup sensibles à l'esprit vont savoir de quoi je parle. Parce que, mes frères, si notre christianisme de notre génération est faible, c'est parce que beaucoup de chrétiens ne marchent pas selon les caractéristiques du royaume. On a accepté le fait que on peut pas prier pour les malades. On a accepté le fait que on peut pas voir des miracles. Il y a pas de signes miraculeux avec nous. Et on a accepté ça comme ce qui est normal. On se contente de rendre grâce à Dieu. Je vous assure, comme dit aux chrétiens de prier et rendre grâce à Dieu seulement. Je dis pas qu'il faut pas rendre grâce à Dieu, mais je dis, voilà la puissance de Dieu. Il y a des situations qui sont là. Il faut exercer la puissance. Il rend grâce à Dieu. Quelqu'un est malade. Il faut guérir le malade. Au Seigneur, on te rend grâce pour ce malade. Il va y avoir un démon qui est là, faut le chasser. Seigneur, on te rend grâce pour ce démon. Vous voyez comment ça se passe? Quelqu'un est malade, faut prendre notre Seigneur, on te rend grâce pour la maladie. On rend grâce à Dieu, mais on n'exerce pas l'autorité, la puissance. On n'exerce pas cette puissance du royaume de Dieu. Et on veut que les gens changent. Je vous assure, il y a des gens qui n'ont pas besoin d'entendre Jésus-Christ pour être sauvés. Ils ont besoin de voir la puissance. S'ils voient la puissance, ils vont se convertir. La plupart du temps, c'est les sorciers, les gens de mauvaise vie. Ils ont besoin de rencontrer une puissance supérieure. Et Dieu veut faire de nous des êtres de puissance. Vous voyez? Donc la Bible dit que Jésus a été revêtu de la puissance donc, de Dunamis. Et c'est là qu'il est parti au temple et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça, c'est Dunamis. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand il m'a pour annoncer, quand l'Esprit vient, c'est pour faire des choses. C'est pour accomplir des choses. C'est pour accomplir des espoirs. Beaucoup de gens se sont levés comme ça, aller évangéliser, aller tout. Jésus a dit, n'allez pas tant que vous ayez la puissance. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent comme ça, faire des choses sans la puissance. Voici pourquoi il n'y a pas des choses surnaturelles qui les accompagnent. Quand la Bible dit, voici les signes, Marc 16, qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront ceci. Ça parle des gens qui ont reçu dunamis. Ça parle pas des gens qui sont là comme ça. Vous comprenez? Ça parle des personnes qui, il y a deux niveaux, hein. Le premier niveau, c'est, si vous voulez, c'est la maternelle. On est enfant dans la foi, on reçoit le Saint-Esprit, on a le Seigneur. Avec exousia, on peut faire des délivrances. On peut faire certaines choses. Comme les disciples, ils partaient, ils faisaient des choses. Des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas. On a besoin de ça. Mais, quand on veut rentrer dans un ministère, dans l'office d'un service auquel Dieu nous a appelé, là, on est obligé d'avoir la puissance. Là, on va pas pour essayer pour voir si ça marche. Vous comprenez ce que je dis? Il y a un temps pour faire le stage, il y a un temps pour apprendre, et puis il y a un temps pour aller exercer ce que tu as appris. Vous voyez ce que je dis? La puissance, ça vient pas, c'est pas pour aller essayer, c'est pour aller faire. Avant ça, on essaie pour voir, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il y a un temps pour ça. Comme les apôtres, ils ont appris, ils faisaient des fois ils venaient, mais Seigneur, pourquoi on a chassé ces démons-là, ils ne parlent pas. Jésus dit non, ces gens de démons, il faut la prière et le jeûne. Et je vais parler de ça. Parce qu'on ne peut pas parler de la puissance de Dieu sans parler de la prière et du jeûne. Alléluia. Cette puissance dont on parle ne vient pas comme ça. C'est pas un don spirituel. Tu n'es pas là comme ça et puis un coup la puissance vient sur toi. Il y a des activités qu'il faut pratiquer et c'est ça qui te permet de générer cette puissance. Il y a la prière et le jeûne. Rappelez-vous quand Jésus-Christ est parti dans le désert pendant 40 jours, qu'est-ce qu'il a fait? Il jeûna. C'est parce qu'il était en jeûne et en prière qu'il a été revêtu de la puissance après.
Alléluia. Quand ton temps de puissance arrive, Dieu te met dans une saison de jeûne et de prière. Dieu te met dans une saison de comme Moïse. Moïse était 40 jours avec le Seigneur. Moïse pouvait passer des temps dans la prière. Et tous les hommes puissants que l'on voit dans la Bible, c'est des hommes qui priaient. Paul dit, j'ai été dans les jeûnes. Les apôtres jeûnaient, ils priaient. Un homme qui ne prie pas peut pas rentrer dans Dunamis. Non. Dunamis, c'est la prière. C'est la prière qui génère Dunamis. Dunamis, ce n'est pas un don spirituel que Dieu va te donner. Tous les hommes que Dieu utilise dans la puissance, ce sont des hommes de prière. Ils ne se contentent pas de prier le matin, le soir, ou de prier avant de manger. Ils ont une vie de prière au-dessus de la normale. Une vie de prière excessive. Parce que Dunamis vient dans l'excès des prières. Si tu ne pries pas à l'excès, tu ne peux pas rentrer dans Dunamis. Alléluia. Et quand je dis prière à l'excès, ce n'est pas dans la chair, c'est dans l'esprit. Parce qu'il y a prière et prière. La Bible dit qu'il était conduit par l'esprit dans le désert. Et c'est par l'esprit qu'il priait là-bas. Alléluia. La Bible dit fait tout temps par l'esprit de toutes sortes de prières. La prière génère Dunamis. J'ai expérimenté ça personnellement moi-même aussi. J'ai vu ça. Vous voyez, le Dunamis est vraiment cette manifestation du Saint-Esprit qui est sur toi, qui est extérieur, qui transforme ta vie, qui change tes capacités humaines. Tu as plus de force qu'un homme normal. Tu es plus endurant qu'un homme normal. Quand tu vas prier, au lieu de te fatiguer, tu es régénéré. Au lieu de t'épuiser, tu es régénéré. Vous comprenez? Pendant que d'autres personnes se fatiguent, toi, c'est comme si ça te recharge. Ça, c'est Dunamis qui fait ça. Et la prière est le moyen par excellence pour marcher dans Dunamis. La prière et d'autres choses, bien évidemment. Donc, on dit à cause de Dunamis, sa renommée s'est répandue dans les alentours. Je vous donne encore un autre passage. On est toujours en train de parler de Dunamis, ok? Dans 2 Pierre chapitre 1, verset 3. 2 Pierre chapitre 1, le verset 3. Donc, je parle un peu de Dunamis. Donc, vous voyez, Dunamis, c'est vraiment indispensable. Tu ne peux pas servir Dieu sans Dunamis. Un chrétien sans Dunamis ne pourra pas triompher de certaines choses. C'est pas Dunamis qu'on réussit avec la... On réussit à avoir du succès dans le ministère. C'est par Dunamis qu'on arrive à annexer des territoires pour Jésus-Christ. Le Dunamis te fait rentrer dans une onction territoriale. C'est-à-dire que dans une dimension territoriale. Jésus ne voulait pas seulement que les apôtres se maintiennent dans la foi. Il voulait que les apôtres aillent conquérir Jérusalem, Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ils avaient besoin de Dunamis. Ça veut dire que vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Quand le Seigneur a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, ce n'est pas avec ta foi que tu as pu pouvoir sauver que tu vas faire des nations des disciples. C'est avec Dunamis. C'est Dunamis qui te permet de percer les territoires, de percer les frontières. Si tu as Dunamis, Dieu te donne accès à des pays où tu n'es jamais allé. Te donne accès à des territoires. Quand vous voyez des gens qui ont accès à des territoires, ils opèrent par Dunamis. Même si vous ne les aimez pas, ils sont dans Dunamis. Parce que Dunamis te permet d'avoir accès à des terres. La Bible dit que la renommée de Jésus commençait à se répandre. Ça a commencé à quitter la Galilée où il était. Ça a commencé à se répandre en Judée. Commençait à se répandre dans les... jusqu'à les territoires des Zabulon, des Nephtali. Ils ont commencé. Pourquoi? Parce qu'il opérait dans Dunamis. Alléluia. Donc je disais, 2 Pierre 1, verset 3, nous dit ceci. La Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés de la vertu, par sa gloire et par sa vertu, par lesquelles il nous a donné de très grandes et précieuses promesses afin que par elles nous participions à la nature divine ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Donc, la Bible dit que sa divine puissance, sa divine puissance ici, ça veut dire quoi? C'est son dynamis divin. Par son dynamis, il nous a donné tout ce qui regarde la vie. C'est-à-dire qu'un chrétien doit vivre par dynamis à un moment donné. Quand on est enfant dans la foi, on ne connaît pas encore dynamis. Vous voyez? On nous enseignait par rapport à notre identité exousia, notre identité, notre autorité en tant que chrétien. Vous voyez?
on est enseigné par rapport à la parole, la législation du royaume de Dieu. On est enseigné sur ces choses, on doit maîtriser ces choses. Et à un moment donné, on rentre dans dunamis. Quand on rentre dans dunamis, la Bible dit que c'est pas dunamis qu'on peut entrer dans les promesses de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Pour entrer dans les promesses de Dieu, c'est par la puissance de dunamis. Quelqu'un qui n'est pas revêtu de dunamis ne peut pas rentrer dans les promesses de Dieu pour lui. Jésus est devenu Messie à cause de dunamis. Paul, Pierre, les apôtres, il a dit, je vais faire de vous des pécheurs d'hommes. Il leur fallait dunamis pour rentrer dedans. C'est pour ça qu'il a dit, attendez d'abord dunamis. Et un chrétien doit chercher dunamis. Moi, je cherche dunamis. Je travaille pour dunamis dans ma vie. Je vis un peu de dunamis. Je veux vivre encore plus de dunamis dans ma vie. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais consiste en dunamis de l'esprit. Consiste en puissance. Et la Bible nous dit quoi ici? Et par cette promesse, nous participons à la nature divine. La nature de Dieu, c'est dunamis aussi. Dans la nature de Dieu, il y a aussi l'aspect puissance parce que Dieu est puissant. Dieu est puissant. Et nous, ses enfants, on ne peut pas être faibles. C'est contradictoire. Alléluia. C'est contradictoire. Et je veux nous dire ceci, bien-aimés, par rapport à la puissance. La puissance, c'est ce qu'on appelle souvent l'onction. Ok? C'est ce que souvent on appelle l'onction qui s'est manifestée. Il y a plusieurs types d'onction. Ok? Je disais tout à l'heure que les dons spirituels, je vais vous donner quelques exemples pratiques. Vous savez, souvent, quand, par exemple, quelqu'un a fait une prophétie, ou bien quelqu'un prophétise, ou bien quelqu'un a des paroles de connaissance, on dit c'est la puissance de Dieu. Ok? Ou bien quelqu'un... prie pour un malade, le malade est guéri, on dit c'est la puissance de Dieu. C'est vrai que c'est la puissance de Dieu, mais c'est un aspect de la puissance de Dieu. Vous comprenez? C'est un aspect de la puissance de Dieu. Et cet aspect de la puissance de Dieu, c'est un aspect déjà qui est assez superficiel. Ce n'est pas un aspect profond. C'est-à-dire que ce n'est pas un aspect qui est pas le plus grand aspect de la puissance de Dieu. Vous savez, on peut utiliser les dons spirituels. Comme je disais, c'est accessible même aux nouveaux convertis, les dons spirituels, pour faire des choses. Mais ce n'est pas le niveau ultime dans lequel Dieu nous veut. Le niveau ultime, c'est dunamis. Parce que c'est avec dunamis que Dieu mandate les gens, c'est pas avec des dons spirituels. Tu peux avoir des dons spirituels et tu peux rester comme ça sans être mandaté par Dieu. Alléluia. Sans être mandaté par Dieu. Tu restes avec tes dons spirituels, tu connais tes dons spirituels, tu peux exercer tes dons spirituels, mais Dieu ne te mandate pas en te confiant une mission. En te confiant un travail à faire. Alléluia. Le dunamis te permet d'entrer dans une phase où Dieu te confie un travail. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour. Vous voyez? Dans Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer. Pour faire ceci. Pour faire cela. Il y a une mission. Il y a une raison pour laquelle le dunamis vient sur toi. Quand Jésus-Christ a dit aux disciples, faut attendre dans la chambre haute. Il savait déjà chasser des démons. Mais il a dit d'attendre. Ils avaient l'habitude d'aller faire des missions où ils chassaient des démons. Des fois, ils revenaient faire le point. Ils savaient prêcher. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 4, chapitre 10, verset 7 à 8, il dit, quand vous allez prêcher, dites le royaume des cieux est proche. Ressuscitez les malades, purifiez les lépreux. Tout ça, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ils avaient l'habitude de faire ça déjà quand Jésus était là. Mais dunamis n'était pas encore venu dans leur vie. Donc, dunamis est plus grand que ces choses. Alléluia. Et pourquoi nous enseignons la parole de Dieu? Pourquoi nous sommes en train de partager tous ces enseignements? C'est pour montrer aux chrétiens que déjà même le premier niveau où on a les dons spirituels, les chrétiens n'arrivent pas à manifester cela. Les chrétiens n'arrivent pas, ils sont étrangers même aux dons spirituels. Mais alors que Dieu nous appelle dans dunamis, à quel moment on va arriver dans dunamis? À quel moment on va vivre pleinement le royaume? Vous voyez? Les apôtres ne devaient pas se contenter. Ils sont venus dire, mais Seigneur, les démons sont chassés en ton nom. Tout ça, ils étaient contents. Même les démons nous obéissent. Il dit, ne vous réjouissez pas à cause de ça. Ça, c'est rien. Dans Luc chapitre 10. Ne vous réjouissez pas, des démons sont chassés. Ça, c'est la maternelle des choses spirituelles. Réjouissez-vous d'abord parce que votre nom est écrit dans le livre de vie.
Ça, c'est plus important. Et puis, il y a de grandes choses qui viennent après. Il dit, vous ne pouvez pas tout supporter. Mais quand l'esprit va venir, il y a des choses que je ne peux pas vous dire maintenant. Je vous dis maintenant, mais vous ne pouvez pas supporter. Mais quand l'esprit va venir, il vous conduira dans toute la vérité. L'esprit va vous conduire dans les autres choses. Au-delà de chasser des démons, il y a la puissance, il y a le dynamisme. C'est avec le dynamisme que vous allez prendre votre génération. Et je suis en train de challenger des gens sur cette plateforme. Si Dieu t'a dit que tu vas prendre ta génération, tu vas amener le réveil dans ta famille, ce n'est pas par des dons spirituels seulement, c'est par la puissance de Dieu. Il faut monter en esprit. Quand tu es revêtu par le Saint-Esprit, quand tu es revêtu par cette puissance, ta voix porte dans ta famille. Tu n'es pas normal. Parce que dynamisme t'accompagne. Tu fonctionnes dans une capacité supérieure. Tu fonctionnes dans un pouvoir surnaturel. Un pouvoir miraculeux. Tout ce que tu fais, c'est dans le domaine du miraculeux, c'est-à-dire du surnaturel. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, ce qu'un homme normal ne peut pas faire, c'est ce que tu fais. Ce qu'un homme ne peut pas vivre, c'est ce que tu vis. Ta vie commence à fonctionner à un niveau de surnaturel où le surnaturel devient naturel pour toi. Alléluia. Ça, c'est dynamisme. Et on a besoin de dynamisme pour servir Dieu, pour être efficace dans le ministère, pour que l'église puisse gagner les nations. Les apôtres, il a dit, attendez, vous savez chasser les démons, c'est vrai. Vous avez déjà fait des guérisons, c'est vrai. Mais pour pouvoir gagner votre génération, il faut dynamisme. Mes frères, je suis un assoiffé de dynamisme. Ce que Pierre a vécu, je vais vous expliquer quelque chose. Il y a une différence entre chasser des démons qui vont des fois et qui ne vont pas. Et puis, par parole de connaissance ou par l'autorité que tu exerces. Et puis, travailler dans la puissance de Dieu. Quand Pierre a reçu la puissance de Dieu sur sa vie, il était tellement rempli, il était tellement moins que c'est son homme qui chassait les démons. On n'a jamais vu ça. Ça ne fait pas partie des dons spirituels, ça. C'est son homme qui guérissait les malades. Ça, c'est la puissance de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Tu peux chasser des démons après 2 heures de temps, 1 heure de temps, après avoir perdu ta voix. Il y a des gens qui passent simplement et puis les démons fuient. Ça, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est ce que Jésus avait. Quand Jésus-Christ arrivait sur les territoires, les démons venaient se jeter à ses pieds. Qui es-tu? Tu es le Fils de Dieu. Jésus n'avait pas besoin de paroles de connaissance pour chasser un démon. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand tu as la puissance, des fois, ce n'est pas par parole de connaissance. Il y a des hommes de Dieu. Des fois, dès qu'ils sont là, le démon commence à se manifester en même temps. Ce n'est pas une parole de connaissance qu'il a eue. Ce n'est pas quoi que ce soit. C'est dynamisme qui est sur sa vie. Quand tu opères par dynamisme, ce n'est plus simplement avec des dons spirituels simples. Mes frères, je sais de quoi je vous parle. On vit des choses avec le Seigneur. Moi, j'ai déjà vécu des choses pareillement comme ça, où je me retrouve dans un coin. À cause du fait que je suis là, le démon commence à se manifester. Qu'est-ce que tu me veux? Tu veux me dominer? Je n'ai rien fait, je n'ai pas prié, rien. Et il commence à s'agiter et puis il s'en va. Mes frères, on a vu des choses avec Dieu. Ça, c'est une infime partie. On veut voir encore plus avec Dieu. Mais quand vous voyez Paul avec des mouchoirs, on n'a jamais écrit dans la doctrine de Christ qu'un mouchoir chasse des démons. Mais quand la puissance de Dieu était venue, dynamisme était venu, voici que les mouchoirs de Paul organisaient des croisades et des prières. C'est le mouchoir qui va en mission. Vous imaginez, frère, ça, c'est la puissance de Dieu. De la même manière que la femme s'était dit, si je peux toucher seulement le vêtement de Jésus-Christ, la femme qui avait la peine de ça, elle dit, si je peux, c'est dans Marc 5, je pense, si je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Ça, c'est le don spirituel. Il faut imposer la main d'abord. Mais il y a des niveaux où tu arrives, tu n'as plus besoin d'imposer la main. Tu parles seulement. Ou bien, on te touche seulement. Et c'est comme si on a touché Dieu. La dame a touché le vêtement de Jésus, elle était guérie. Les mouchoirs de Paul touchaient les gens, ils étaient guéris. Jésus dit, une vertu, une force est sortie de moi, c'est dynamisme. Quand elle a touché, il dit, mais j'ai senti une force me quitter. Parce que la force était sur lui. Alléluia. Ça, c'est un mode d'opération, ce n'est pas par don spirituel, ce n'est pas par parole de connaissance, ce n'est pas par ces choses. C'est différent. Vous comprenez? Et nous, les chrétiens, nous sommes appelés à arriver jusqu'à ce niveau-là. Alléluia. On n'est pas appelé à toujours vouloir imposer la main, chercher. Ça, c'est les choses du début. C'est les choses des débutants. Frère, ça fait des années. Ça, là, c'est des choses qu'on a. Et un chrétien doit passer ces choses. Ça, c'est les trucs des débutants. Alléluia.
Oui, c'est la maternelle des choses spirituelles. Il y a des choses plus grandes. Le Seigneur nous a dit d'aller gagner des nations. On ne gagne pas les nations en imposant la main à tout le monde. Tu vas imposer la main à combien de personnes dans ta ville? Tu vas imposer la main à combien de gens dans ta famille? Jésus n'avait pas besoin d'imposer la main à tout le monde pour gagner sa ville. Pierre n'avait pas besoin d'imposer la main. Il passait seulement et toute la ville. Il y a des hommes qui ont vécu ça. Les Charles Finney, les Jonathan Edwards, des hommes de réveil. On a entendu des gens comme les T.L. Osborne, ces grands évangélistes, comme les Rihanna Bonke. Ils faisaient des programmes, 1 million de personnes, 1 million 500. Ils n'imposaient pas les mains à 1 million 500 personnes. Mais les gens étaient touchés par quoi? Il y avait une puissance qui les accompagnait. Mes frères, c'est cette puissance-là que l'Église doit chercher. Aujourd'hui, on est obligé de faire beaucoup de commerce, beaucoup de publicité pour attirer les gens. Jean-Baptiste était dans le désert. Il criait sans micro, il prêchait sans baffle, il prêchait sans technologie. Mais la Bible dit que tous les gens de la ville quittaient leur ville pour venir le trouver dans le désert pour se repentir. C'est la puissance de Dieu qui faisait ça avec Jean-Baptiste. La puissance de Dieu emmène des conversions miraculeuses. La puissance de Dieu emmène des transformations de vie. Toi-même, tu sais que ce n'est pas à cause de ta publicité. Tu sais que ce n'est pas à cause de tes affiches. Il n'y avait pas d'affiches. Les gens étaient touchés, ils venaient se repentir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Dans Matthieu chapitre 3, verset 1 à 11, il prêchait, les gens venaient. Les gens venaient. La puissance de Dieu touchait les gens. Il était loin, Jean-Baptiste, depuis le sein de sa mère. Il avait dynamis avec lui, ça l'accompagnait. Pas pour faire des miracles, mais pour mener les gens à la repentance, à la conversion. C'est pour ça que je disais que dynamis, ce n'est pas forcément pour faire tomber les gens, mais c'est pour agir dans le surnaturel. Jean-Baptiste prêchait de manière surnaturelle. Il enseignait de manière surnaturelle. Même s'il ne faisait pas autant de miracles, palpables, mais les cœurs des gens étaient changés. Ça, c'est l'un des plus grands miracles. Pierre pouvait prêcher, 3000 personnes pouvaient se convertir en même temps. Un homme normal ne parle pas à 3000 personnes et puis les 3000 personnes se convertissent en même temps. Un homme normal ne fait pas ça. Il y a quelque chose dans ta voix, il y a quelque chose dans ta bouche, il y a quelque chose qui t'accompagne, qui peut emmener 3000 personnes qui ont leur propre libre arbitre de décider d'abandonner leur choix personnel pour suivre ce que tu leur dis. Ça, quelqu'un de normal ne peut pas faire ça. Même dans ta maison, tu parles à tes enfants, ils vont te dire, je ne suis pas d'accord. 3000 personnes en même temps se font baptiser. Plus tard, ils sortent encore, on dit le monde est monté, le nombre est passé à 5000. Les gens se convertissaient par milliers de personnes. Chrétiens, on ne peut même pas gagner une âme. Tu es là pour parler même à ton même frère, même père, même mère, tu peux pas. Pour parler à ta mère, tu peux pas. Pour parler à tes parents, tu peux pas. Pour témoigner de Dieu même avec puissance, une seule personne, tu peux pas. Chrétien, il faut se réveiller. Quel Jésus-Christ on a reçu? Dans quel royaume on est? Quand on nous dit même d'évangéliser, on a peur. C'est parce qu'on n'a pas encore goûté à dynamis. C'est parce qu'on n'a pas encore prié dans une chambre haute. Pendant 2 semaines, ils étaient dans la chambre haute. Seigneur, nous voulons recevoir la promesse. Seigneur, nous voulons recevoir la promesse. Seigneur, nous voulons recevoir la promesse. Il y a eu un réveil qui a eu lieu aux États-Unis, à Los Angeles, le réveil d'Azusa Street. C'était le réveil du dynamisme du 20e siècle. En 1905, un noir américain, William Seymour, qui était un pasteur, un jeune pasteur comme ça, il n'était pas très connu. Ils ont lu dans la parole, Actes chapitre 2. Des langues semblables à des langues de feu pendant qu'ils priaient se poser sur chacun d'eux. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. C'est eux qui ont envoyé le pentecôtisme. Ils ont pris ces versets-là. Et ils se sont assis. Ils disent, nous, tant qu'on ne vit pas ces versets-là, on n'arrête pas de prier. Il a commencé, ils étaient 7. Ils ont commencé à prier pour que Dieu les remplisse de dynamis, pour que Dieu les baptise de l'esprit, pour que Dieu les remplisse d'une force surnaturelle. Ils ont commencé à prier le premier jour. Ils avaient une heure, ils viennent, ils prient. Chaque jour, il n'y avait pas de date limite. Ils priaient jusqu'à ce que ça vienne. Ils n'étaient pas en train de prier pendant 2 semaines. Ils étaient en train de prier. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes assoiffé de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, ça s'attire. La puissance de Dieu, ça se cherche. Dynamis, ça ne tombe pas sur les gens par hasard où tu étais là et puis un coup, tu as eu la puissance de Dieu. Ce n'est pas vrai. Si une puissance comme ça vient te toucher, c'est la sorcellerie qui t'a touché. C'est la puissance du diable. La puissance du Saint-Esprit, c'est pour ceux qui ont soif. C'est pour ceux qui désirent. Jésus leur a dit, attendez. Mais ils n'ont pas attendu les bras croisés. Ils ont attendu en jeûne et en prière. Ils ont attendu dans la prière. Ils ont attendu, ils priaient. La Bible, ils étaient en train de prier. Ils priaient, ils priaient. Aujourd'hui, les chrétiens ne peuvent même pas prier pendant une heure de temps. Et ils veulent que Dieu te révèle des puissants. Tu n'auras rien du tout. Dieu même va s'assurer que tu n'auras rien. Il va te donner une puissance pour faire quoi? Pour encourager ta paresse.
chrétiens. Des chrétiens qui ne peuvent pas jeûner. Des chrétiens qui ne peuvent pas prier. Ils sont tout en train de manger, faire la fête. Les agapes. Agapé, agape, agape, agape. C'est tout ce qu'on cherche. On ne prie pas. Combien de fois tu jeûnes par semaine? Combien de fois tu jeûnes par mois? Combien de fois tu pries pour soupirer après le dynamis de ta destinée? Parce que sans dynamis, tu ne peux pas entrer dans ta destinée. Tu ne peux pas rentrer dans l'appel de Dieu. Tu ne peux pas vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et cette puissance, ça se cherche. Et cette puissance, ça se désire. Et cette puissance, je suis en train de provoquer quelqu'un pour que tu aies soif. Chrétien ne prie même pas. Aucune vie de prière, aucune rencontre avec le Saint-Esprit. Tu n'as même pas une montagne où tu montes. Tu es tout le temps dans la vallée. Dieu va me sauver. Dans la vallée de l'homme de la mort, il va me sauver. C'est bien. Mais ce n'est pas dans la vallée de l'homme de la mort qu'on reçoit dynamis. Alléluia. C'est sur la montagne. C'est dans l'intimité. Et donc, ces hommes ont commencé à prier avec Actes chapitre 2. Des langues de feu se posaient sur chacun d'eux. Ils priaient. Pendant plusieurs semaines. Et au bout d'un moment, il y a quelques-uns parmi eux qui ont reçu le baptême du feu. Dynamis les a touchés. Ça a touché les premiers. Le pasteur n'a pas reçu, c'était les membres là. Il y en a qui ont commencé à parler en langue, commencé à prier à un autre niveau de prière. Une autre énergie de la prière était venue sur eux. Une autre énergie supérieure était venue sur eux. Et ils ont commencé à prêcher, à prier comme ça. Prier comme ça. À un moment donné, le pasteur aussi a reçu le feu. Eux tous, ils ont reçu le feu. Et ils priaient d'une manière tellement fervente que ça commençait à attirer les voisins. Ça commençait à attirer les gens. Quand les gens venaient dans cette atmosphère, les gens recevaient des guérisons, personne ne priait pour eux. Les gens recevaient des miracles, personne ne priait pour eux. Les gens commençaient à être baptisés du Saint-Esprit, commençaient à être délivrés des démons. Et les gens commençaient à parler de ça. Et toute la ville a commencé à venir. C'était dans une maison, la maison ne suffisait plus. Ils ont commencé à faire ça un peu dehors. Au point où, au bout d'un moment, des villes voisines, les gens commençaient à venir. Et c'était non-stop. Du matin au soir, les gens se succédaient comme ça. D'autres vont se reposer, ils vont prendre une douche, ils reviennent. Ça a duré comme ça pendant 3 ans et quelques. Les gens commençaient à voyager de l'Europe pour venir à Los Angeles. Les gens recevaient le parler en langue. Les gens commençaient recevaient le dynamisme, des guérisons miraculeuses, des gens qui avaient des os broyés, les os se redressaient, les guérisons incroyables. C'était du surnaturel, c'était même pas des histoires de dons spirituels. L'atmosphère même était imprégnée de dynamisme. Dès que tu viens là, tu tombes en même temps. Frère, où est l'église? L'église, ce n'est pas le fait d'aller chauffer les bancs chaque dimanche. L'église est une institution de puissance que Dieu a suscité pour révéler quel Dieu puissant il est. Nous sommes le reflet de sa gloire. Frère, je refuse d'être un homme simple. Je refuse d'enseigner des chrétiens simples qui vont rester simples. Nous sommes des hommes surnaturels. On doit vivre le surnaturel. C'est ça que nous cherchons. Mes amis, si à un moment donné, il faut marcher sur l'eau, il faut qu'on marche sur l'eau. Si à un moment donné, il faut s'envoler comme Élie pour partir au ciel, il faut qu'on le fasse. Mais notre génération ne peut pas rester sans témoignage. Ne peut pas rester dans des routines du journal de 20 heures. Et puis on dit que c'est ça la foi, la marche chrétienne. Où sont ceux qui vont aller dans les hôpitaux pour créer un scandale là-bas à cause de la puissance qui les accompagne? Qui vont rentrer dans les centres de cancérologie pour démontrer que Jésus est Seigneur. Où sont ceux-là qui vont prier à un point où toute la ville va être attirée parce qu'il y a une fontaine qui est en train de couler. Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Mais si des fleuves jaillissent de ton sein, c'est pour que les gens boivent. C'est pour que les gens s'abreuvent de ton message. Toi qui es un orateur, toi qui es un prédicateur, toi qui es un enseignant, toi qui es un exhortateur, toi qui es un chantre. Toi qui chantes pour Dieu, quel est le dynamisme qui t'accompagne? Je suis en train de parler à quelqu'un sur cette plateforme. Tu dis que Dieu fait des choses avec toi. Combien de gens sont touchés? Quel est l'impact de Christ au travers de ta vie? Mes amis, cherchons la puissance de Dieu. Cherchons la puissance de Dieu. Nous sommes dans un temps de révolution spirituelle. Nous sommes dans un temps de réveil. La puissance de Dieu
C'est la chose que Dieu nous a donnée pour mettre la différence entre nous et les autres. Tout le monde peut prendre la Bible. Un musulman peut prendre la Bible. Un bouddhiste peut prendre la Bible. Un philosophe peut prendre la Bible. Mais quand on arrive dans le domaine de la puissance, il ne peut pas te suivre là. Il ne peut pas me suivre là. Voici pourquoi les pharisiens parlaient de la Bible. Ils prenaient des versets. Mais quand Jésus faisait des miracles, ils disent non. Nous savons qu'aucun docteur ne peut faire ces choses si Dieu l'a envoyé. C'est pour ça que Nicodème est venu le voir la nuit. C'est à cause de la puissance qui accompagnait Jésus. Sinon, eux-mêmes, ils avaient la Torah. Ils connaissaient les versets aussi. Oui. C'est la puissance qui a fait la différence. Alléluia. Moïse avec les magiciens de Pharaon, c'est la puissance. Ils ont essayé d'imiter un peu. Après, ils ont dit à Pharaon, non. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, là. C'est la puissance de Dieu. Jésus dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume des cieux est arrivé jusqu'à vous. Dans Matthieu chapitre 12. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, parce qu'il dit que c'est pas Belzébul, c'est pas la puissance du diable qui chasse. Il dit non. Satan ne peut pas chasser Satan. Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, oh, c'est que le royaume des cieux. Comment tu emmènes le royaume de Dieu dans ta famille? Il y a la sorcellerie dans ta famille. Qu'est-ce que tu fais? Renverse l'autel des Baal qui est dans ta maison. Renverse les idoles qui sont dans ta famille. Emmène le règne de Dieu par la puissance. Des fois, c'est pas parce que tu vas dire à tes parents, donnez votre vie à Jésus. Quand tu vas commencer à prier contre la sorcellerie, contre les yeux des ténèbres dans ta maison, que la puissance de Dieu va frapper ceux qui sont dans la sorcellerie. C'est là qu'ils vont se convertir. Mais les chrétiens veulent pas ça. Et ils pensent que tout se règle par des petits versets doux. Non! Il y a des choses qui se règlent par la puissance. Quand Élie devait ramener le peuple à Dieu, dans un roi, 17-18 là-bas, il a dit, allons à l'autel, allons sur le mont Carmel, allons sur la montagne, qu'on bâtisse chacun son Dieu, chacun va invoquer son Dieu. On va voir là, c'est qui est Dieu. C'est pas une discussion de Baal, tout ça. C'est pour ça que des fois, ce n'est pas en discutant avec d'autres religions que tu peux les emmener à Christ. Allons sur le terrain pratique de la puissance. Parce que beaucoup de chrétiens ont été confus par des religieux qui connaissaient la Bible. Ils connaissaient des versets que toi tu connais pas. Mais la puissance qui est en toi, ça, ils connaissent pas ça. Alléluia. Des fois, si tu vois que les gens connaissent trop les versets, faut leur dire, attends, allons, bâtissons nos, mais érigeons nos autels. Invoquons notre Dieu. Invoquons notre Dieu. Et regardons les résultats. Et on saura qu'il est le vrai Dieu. Alléluia. Relève le défi de la puissance dans ta famille. Je parle à quelqu'un. Relève le défi de la puissance devant les forces des ténèbres. Si tu es chrétien, il faut que tu apprennes à relever le défi de la puissance. Ne fuis pas devant la puissance du diable. Nous avons reçu une puissance supérieure. Et la puissance qui en est plus grande que la puissance. La Bible dit celui qui envoie est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais tu as besoin d'enseignement pour avoir de l'assurance. Tu as besoin aussi d'avoir une vie de prière. Une vie de jeûne. Pas conventionnelle. C'est pas carême de 40 jours par année. Non. Une vie de prière régulière, de jeûne régulière. Pour te permettre de marcher dans Dunamis. Alléluia. Et le Saint-Esprit saura te guider. Des fois, parmi nous, il y a des gens à qui le Saint-Esprit dit jeûne. Chaque mercredi, jeûne. Chaque mardi, jeûne. Mais on fait pas. Tu veux grandir dans Dunamis, tu peux pas aller dans Dunamis. Pour toi, c'est la stratégie qui est là. Prends 2 jours de jeûne par semaine. Prends 3 jours de jeûne. Il y a des gens qui jeûnent 5 jours par semaine. C'est leur mode de vie qui est là. Il y a des gens qui prient 2 heures, 3 heures de temps par jour. Chaque jour. Pour être dans cette présence-là. Parce que Dunami, c'est comme quelque chose que tu télécharges. Du ciel, ça vient sur toi. Plus tu es dans cette présence, plus tu es imbibé de la chose. C'est pour ça que quand Moïse descendait du mont Sinaï, son visage avait changé. Il était revêtu de Dunamis. Et les gens ne pouvaient pas les regarder. À force de rester dans Dunamis tout le temps, de contacter ce Dieu, le Dieu du Dunamis, l'enveloppe de Dunamis vient sur toi. Tu deviens un homme surnaturel. Un homme anormal. Quand les gens te regardent, ils pensent que tu es comme ça. Quand les démons te voient, ils voient Christ. Ton visage brille comme le feu, comme la lumière, comme le soleil. Tu as les cheveux comme une laine de feu. Tu as des yeux comme le feu. Tu as une épée qui sort de ta bouche. Quand tu parles, c'est le tranchant prophétique qui se manifeste. Les démons ne peuvent pas résister à ta parole. Parce que tu marches dans Dunamis. Quand tu marches, tu as des pieds d'airain. Alléluia. Et que tu as une ceinture d'or autour de ta poitrine. Quand tu parles, ça sonne comme des grandes eaux.
Pourquoi? Parce que la caractéristique du royaume, le dynamisme de l'esprit est sur toi. Faut pas marcher par la vue. Un homme de Dieu, c'est un lion rugissant. Un chrétien, c'est un lion rugissant. Quand tu parles, tu rugis. En esprit, les démons sont tétanisés quand tu parles. Quand tu as la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, tu n'as pas besoin d'attendre quand tu auras des dons spirituels. Non. Frère, il y a des situations qui se règlent par dynamisme, c'est direct. Ou par exousia. Mais beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ça. Ils sont là, ils sont dans les devinettes. Bon, si j'ai pris, peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher. Si j'ai cherché Dieu, peut-être il va se manifester. On est dans l'incertitude totale spirituelle. Frère, on est dans un temps, ma soeur, on est dans un temps de réveil. Et je suis là pour t'appeler. Ce message, c'est un enseignement sur dynamisme, mais en même temps, c'est une invitation à te réveiller. Sors de ta monotonie spirituelle. Pierre, Paul, les apôtres, même ces grands hommes que j'ai cités, les Jonathan de droite, les Catherine Kuhlmann, même des hommes de notre génération, qu'on a connu cette génération, les hommes comme le prophète Feu Kakou Séverin, en Côte d'Ivoire. Des gens comme ça, des hommes de miracles, des hommes de la gloire de Dieu, qui ont impacté, même après leur mort, on parle de jusqu'à aujourd'hui. Ils n'avaient pas deux têtes, et puis quatre yeux. Ils étaient comme toi, une tête, une bouche, 10 doigts. Ils étaient comme nous. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Pourquoi Élie pouvait prier, le ciel pouvait se fermer? Et toi, maintenant, dans ta famille, tu peux même pas prendre un décret pour arrêter des œuvres des ténèbres. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi on ne peut même ta propre vie, tu peux même pas la changer. Avant même d'aller changer la vie de quelqu'un d'autre. Vous voyez dans quelle misère on se retrouve comme ça? Ce n'est pas normal. Moi, je me révolte contre cet état d'esprit. Et j'ai la foi, j'ai l'assurance que les caractéristiques du royaume, ce n'est pas une décoration dans nos cahiers de notes. Non. C'est des réalités dans lesquelles on doit rentrer. Et par ces enseignements, nous voulons rentrer dedans. Par ces enseignements, nous voulons être d'abord avertis. C'est pour ça que le titre, c'est comprendre et accepter les caractéristiques du royaume. Parce que tu peux comprendre et tu n'acceptes pas. Il y en a parmi nous, ce que j'ai dit, c'est pas la première fois qu'ils entendent, mais ils n'acceptent pas que c'est possible pour eux. Aujourd'hui, je veux te dire, comprendre, c'est une bonne chose. Accepter, c'est autre chose. Parce que si tu acceptes que ça, c'est pour toi, ça parle de toi. Quand on parle des mouchoirs qui guérissent les malades, c'est aussi toi. Quand on parle de l'homme qui guérit les malades, c'est aussi toi. Quand on dit que la présence de Jésus-Christ faisait fuir les démons, c'est aussi toi. Chaque fois que tu vois des exploits dans la Bible, remplace le nom de celui dont on parle par ton nom. Tu as compris? Remplace cela par toi. Remplace, substitue-toi. Quand on dit Jésus guérit beaucoup de malades, si tu t'appelles Hélène, tu dis Hélène guérit beaucoup de malades. Si tu t'appelles Yves, tu dis Yves guérit beaucoup de malades. Quand on dit l'apôtre Yann guérit beaucoup de malades. C'est comme ça que moi j'ai fait. Et je commence à voir ces choses de plus en plus. Tu remplaces par ton nom. Tu te positionnes en esprit. Et tu pries pour ça. Les hommes du réveil d'Azusa Street, ils ont prié jusqu'à ce que le réveil, la même chose qui est arrivée, la même situation qui est arrivée dans Actes chapitre 2 leur est arrivée. Et c'est comme ça que le pentecôtisme, le parler en langue a été restauré dans l'église. Les gens ne parlaient plus en langue. Ils ne croyaient plus en ça. Et le parler en langue est tombé. Et le feu est tombé. Et les miracles, oh là là, ce n'était pas possible. Des gens voyageaient, il n'y avait pas de croisade, on n'a pas invité quelqu'un. Les gens même étaient attirés comme ça, parce que ce qui s'est passé, Dieu avait ouvert une fontaine céleste là. Il y a quelque chose qui coulait. C'est comme quand vous voyez dans Jean 5 à la piscine Bethesda, quand l'ange descendait du ciel de temps en temps pour agiter l'eau, n'importe qui tombait dedans était guéri. C'était pas une affaire de dons spirituels, il y a un portail qui était ouvert. Quand tu travailles dans Dunamis, à un moment donné, tu deviens un portail ambulant. Quand tu te promènes, le ciel est ouvert sur ta tête. Où tu arrives, ça coule là en même temps. C'est ce qui est arrivé au pied. Alléluia. Ça c'est le Christ, c'est à ça que Dieu nous appelle. Dieu ne nous appelle pas pour qu'on ait nos factures payées à la fin du mois et que on puisse se marier et puis voyager. C'est pas pour ça que Jésus-Christ est mort à la croix, non. C'est pas seulement aussi pour pardonner nos péchés seulement. Non. C'est pas seulement pour ça. Il y a des choses plus grandes. Il y a des choses extraordinaires. La Bible dit les choses que l'oreille n'a point entendues, les choses que l'œil n'a point vues, les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, ce sont les choses que Dieu a révélées, nous a révélées. On n'a jamais vu des mouchoirs faire une croisade des miracles. C'est ce que Dieu nous a révélé, que c'est possible. On n'a jamais vu l'ombre de quelqu'un
guérit des malades. C'est ce que Dieu nous a révélé. On n'a jamais vu des choses extraordinaires. Toute une ville gagnée par une poignée d'individus. Tout un peuple gagné par un homme. On n'a jamais vu ça. Comment un homme peut devenir plus fort qu'un pays? Hein? Moïse, lui seul, il va en Égypte, il met l'armée en défaite, il met le gouvernement en défaite. Un seul homme, 80 ans. Vous voyez ça? Vous voyez pas que c'est bizarre? C'est-à-dire, on pourrait envoyer Moïse à Kiev, en Ukraine, et puis lui seul, il fait la guerre avec la Russie, quoi. C'est de ça que je vous parle. Oui. Pour leur dire, arrêtez là. Et puis, il déclare des paroles et puis la guerre est finie. Mais aujourd'hui, les hommes ont tellement mis Dieu de côté qu'on est dans la chair, on est dans la technologie, on est dans les efforts humains et ça n'y règle rien. Tant que des Élie ne s'élèvent pas, tant que des Paul, des Pierre ne s'élèvent pas, tant que des véritables chrétiens, des agents du royaume ne s'élèvent pas, cette génération est perdue. Parce que le diable va continuer à détruire les gens. Il n'y aura pas une puissance qui va se lever. Dieu cherche des gens, ceux qui vont investir sa puissance. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. J'aime la puissance. Quand je parle de ça, je bouillonne sur ma chaise. Peut-être, comme vous ne pouvez pas sentir, mais parce que j'ai expérimenté un peu. Pas beaucoup, un peu. Et j'ai soif. Je veux arriver au niveau de Jésus-Christ. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Moi, je ne veux pas donner des enseignements où quand tu finis ça, quand tu vois un démon, tu te caches. Non. Je ne veux pas donner des enseignements et puis quand tu vois un malade, tu fuis. Non. Je ne veux pas donner des enseignements et puis ta vie n'est pas remplie de surnaturel. Surnaturel à tous les niveaux. La multiplication des pains, c'est surnaturel. Alléluia. Yes. C'est pas seulement sur les corps, même des situations, les gens ont fait multiplication des pains. On mange la nourriture surnaturelle. Les enfants d'Israël mangeaient du pain qui vient du ciel. C'est là, c'est dunamis. Alléluia. Des choses incroyables. Philippe se déplaçait, il disparaît, il se transportait. Philippe l'évangéliste. C'est dunamis. Dunamis est bizarre. Que le nom du Seigneur soit béni, bien-aimé. Le royaume de Dieu, la première caractéristique, c'est la position que Dieu nous donne. La deuxième chose, c'est la parole ou la loi qui gouverne notre vie. Dieu va donner une parole qui va réguler ta vie. D'abord, et ensuite, Dieu va te donner une autorité dans sa parole aussi. Et puis enfin, c'est dunamis. Dunamis, comment rentrer dans dunamis? Premièrement, une vie de prière et de jeûne. Troisièmement, ça vient après que Dieu te qualifie. Il faut que tu passes par le test ultime. Tu dois confronter Satan avant d'entrer dans dunamis. Quelqu'un qui ne peut pas confronter Satan ne peut pas entrer dans dunamis. Quand j'ai dû confronter Satan, Dieu va t'exposer à la puissance des ténèbres. C'est le test pour entrer dans dunamis. C'est ce que Jésus a vécu. Et il est notre modèle. Dieu va te mettre en confrontation avec des puissances adverses. Si tu triomphes d'elles, déjà avec Exousia, Dieu te donne dunamis. Yes, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Il a triomphé de Satan, pas avec dunamis, mais avec Exousia. Et à cause de ça, il est rentré dans dunamis. C'était d'abord le combat d'Exousia. Et quand il a remporté ce combat d'Exousia, il a pu maintenant avoir accès à dunamis. Alléluia. Ça, c'est le protocole pour arriver à dunamis. Et quand Jésus était dans dunamis, il avait Exousia, c'est-à-dire la position, la parole, et il a eu dunamis dans la troisième, ces trois caractéristiques-là, c'est sur ça que Jésus a bâti son ministère. Il pouvait pas tomber, c'était pas possible. Pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui tombent facilement, des chrétiens qui tombent facilement, des pasteurs qui tombent facilement, c'est parce qu'ils n'ont pas exousia, ils n'ont pas la parole, et ils n'ont pas dunamis. Des fois, il y en a qui s'organisent pour avoir dunamis, mais leur dunamis ne s'appuie pas sur la position d'exousia. Ils sont pas approuvés par Dieu. Il s'organise pour avoir un dunamis qui n'est pas légitime. Amen. Oui, tu peux avoir une vie de prière. Tu pries, tu jeûnes. À force de prier, jeûner. Tu commences à créer une interférence, un flux spirituel dans ta vie. Tu peux avoir des aptitudes qui vont se manifester parce que c'est comme quelque chose d'exact. Si tu produis, tu pratiques ça, ça va produire.
C'est pour ça que tu as des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui ont des puissances, qui peuvent travailler avec des puissances. Mais cette puissance ne s'appuie pas sur Exousia et sur la parole de Dieu. Tu vas tomber. Amen. Vous comprenez? Voilà. Il y a des gens qui ont la parole, mais qui n'ont pas la légitimité, n'ont pas la position et qui n'ont pas dynamis. Ils n'ont que la parole. La Bible dit la lettre tue. Ok? La lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Donc la lettre tue. La lettre seulement ça tue. Tu peux avoir les bonnes paroles, les paroles exactes, bibliques, mais sans l'esprit, ça meurt. Vous comprenez? Voilà. Voilà. Donc la puissance de Dieu, c'est important pour le ministère. La puissance, c'est important même pour le chrétien. Je vous donne un passage qui vient dans mon esprit rapidement. Voilà, c'est dans Actes chapitre 13. Ils sont allés en mission pour évangéliser l'apôtre Paul. Et là, il y avait un sorcier qui s'est levé et qui s'opposait, n'est-ce pas, à l'évangélisation. Et voici ce qui va se passer. Je vous donne cet exemple pour que vous compreniez de quoi je parle. Voilà, je prends un exemple. Donc, voilà, verset 5, je prends la partie verset 5 jusqu'au verset 11. On dit, et quand ils furent arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs et ils avaient avec aussi Jean pour serviteur. Ayant traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvaient un certain homme, un magicien faux prophète juif, appelé Bar-Jésus, et qui était avec le consul Serge Paul, homme intelligent. Celui-ci, ayant fait appeler Barnabas et Saul, demanda à entendre la parole de Dieu. Mais Elimas le magicien, car c'est ainsi que son nom s'interprète, leur résista, cherchant à détourner le proconsul de la foi. Et la Bible nous dit ceci: Saul, qui est aussi appelé Paul, étant rempli du Saint-Esprit, fixant les yeux sur lui, dit: homme plein de toute fraude et toute méchanceté, fils du diable, ennemi de la justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Et maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. La main du Seigneur est sur toi ici, c'est dunamis, ok? Et sur toi, tu seras aveugle, sans voir le soleil pour un temps, et à l'instant, une obscurité des ténèbres tombait sur lui, se tournant de tous côtés, il cherchait quelqu'un qui le conduisit par la main. On dit, alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant saisi par la doctrine du Seigneur. Donc, vous voyez la puissance de Dieu se manifester ici par quoi? Par une certaine gloire. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, c'était pas par parole de reconnaissance, c'était pas par un don spirituel, c'est pas qu'il a voulu chasser les démons de quelqu'un. Vous voyez, dans la temps qui opère dans la puissance, tout est possible. Dans les différents dons spirituels qu'on a dit là, il n'y a pas don de frapper quelqu'un de ténèbres. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Mais il y avait un besoin. Et comme Paul opérait dans la puissance, ils avaient été mis à part. Dieu les avait moins spécialement pour la mission. Ils avaient dynamis avec eux. La Bible dit que quand ils se retrouvaient devant cette situation, l'apôtre Paul a déclaré, il dit, à partir de maintenant, la main de Dieu vient sur toi et tu ne verras plus. Je ferme tes yeux spirituels, tes yeux. C'était un magicien. Là, c'était un combat de puissance. Il avait affaire à un sorcier. Il avait affaire à un magicien. C'est pas avec des discours, parce que même quand il discutait, ça marchait pas. Il essayait de refuter. Il essayait de discuter avec lui. Il y a des gens comme ça. C'est, quand vous voyez des gens qui discutent beaucoup, faut exercer maintenant l'autorité. Faut exercer maintenant la puissance. Faut monter le niveau. Et quand il a dit ça, cet homme a été frappé des ténèbres. Et la Bible dit quoi? Automatiquement, quand le proconsul, qui était l'homme qui voulait écouter la parole, a vu ça, automatiquement, il a cru en Jésus-Christ. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ce n'est pas toutes les conversions qui sont les résultats des discours. Il y a des conversions qui se font par la puissance de Dieu. C'est pour ça que Paul dit ma prédication. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 3, 4, 5. Là. Il dit ma prédication ne repose pas sur des discours de la sagesse, mais une démonstration d'esprit de puissance. C'est de ça qu'il parlait. Afin que votre foi ne soit pas posée bâti sur des discours, sur des paroles, mais sur la puissance de Dieu. Là, la foi du proconsul était bâtie sur quoi? Sur dunamis. Il a vu que la parole de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement une parole, c'est pas la lettre, mais il y a aussi une puissance qui accompagne. Et ça l'a convaincu. Si aujourd'hui notre génération a du mal à emmener les gens à la conversion, c'est parce qu'il manque la puissance. On parle beaucoup. Tout ce qu'on dit, c'est biblique, c'est vrai. C'est pas faux. Mais il n'y a pas de puissance. Il y a des gens, c'est des philosophes. Même si vous leur parlez de tout, ça ne va rien changer. Ils ont leur propre logique.
ils ont besoin de voir des choses qu'ils n'ont jamais vues. Ils ont besoin d'entendre des choses. Ils ont besoin d'expérimenter des choses qui ne leur sont jamais arrivées. Et c'est ce qui s'était passé avec le proconsul. Donc quand je parle de puissance, je parle des choses qui vont au-delà de ce qu'un homme a l'habitude de voir. Ça, c'est la puissance. Il y a plusieurs autres manifestations. J'ai donné des exemples avec Christ, avec Pierre, avec les mouchoirs de Paul. J'ai donné plein d'autres exemples, comme celui-là, par exemple, qui a un exemple très palpable de la puissance de Dieu. Il dit, voici la main de Dieu vient sur toi maintenant. Tu deviens aveugle pendant quelques instants. Ça a réglé le problème en même temps. Et c'est de ces témoignages-là qu'on a besoin de notre génération. Je me souviens une fois, j'ai eu affaire avec un bien-aimé à l'époque, que Dieu bénit au passage. On discutait parce qu'il était dans une situation difficile par rapport au Seigneur, une situation qui n'était pas en conformité à la parole de Dieu. Et je lui parlais et il discutait avec moi. Il discutait. Et le Seigneur me dit, il ne faut pas discuter, il faut agir. Donc j'ai arrêté de parler. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je mets un étau sur toi. Il y a un étau qui vient sur toi. Tant que tu ne te réponds pas, cet étau ne te lâchera pas. Tu seras oppressé. Et je mets cet étau sur toi. Il discutait, il dit, ah bon, c'est ce que tu me dis. Tu veux dire quoi? Répète encore. J'ai répété, j'ai dit, voici ce que j'ai dit. Si ça vient de Dieu, tu vas voir ton rêve. Et je suis parti. Je n'ai plus parlé avec lui. L'auto a commencé à se resserrer sur lui. Il a commencé à être oppressé par des esprits, par des démons. Il se voyait mourir, toutes sortes de choses. Il est venu lui-même se confesser de ce qu'il faisait, qu'il avait caché. Il est venu lui-même se repentir. Il dit, je suis fatigué, je dors pas la nuit, je m'en sors pas, je suis oppressé. Parce qu'une parole d'un dunamis avait été proclamée. Alléluia. Donc, c'est des choses qui arrivent. On a besoin de ça. Mes frères, on a besoin de ça. Notre christianisme a besoin d'être restauré, mes frères. Beaucoup de gens ne vivent pas l'évangile. L'évangile, c'est pas seulement Jésus qui est mort pour tes péchés, puis c'est fini. Non. Où est la puissance de Dieu dans ta vie? Devant les situations. Alléluia. Donc, je m'arrête là pour ne pas être trop long. Voilà, je m'arrête là. Parmi ces trois caractéristiques, ce qui nous permet de les tenir, ce qui nous permet de garder l'équilibre, c'est la parole de Dieu. Ok? C'est la parole de Dieu qui nous permet de garder l'équilibre entre exousia, j'ai dit la position, et puis dunamis, la capacité surnaturelle. C'est la parole de Dieu qui nous permet de réguler ça. Donc ces trois caractéristiques fonctionnent ensemble. C'est pas l'une ou l'autre, mais chacune vient en son rang. La première des choses, c'est ton identité, ta position. La deuxième chose, c'est la parole. Et la troisième chose, c'est le dunamis. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, j'espère que j'ai répondu en même temps à la question. J'ai vu qu'il y avait une question. J'espère que j'ai répondu. S'il y a d'autres questions, vous pouvez les ramener dans les commentaires pour que je vois. S'il vous plaît. Voilà. Mais voici un peu l'enseignement. Les caractéristiques, il faut les comprendre et il faut les accepter. Il faut les pratiquer. Ok, après cette session pour qu'on a placé les caractéristiques du royaume, on va rentrer dans une autre phase, une phase encore plus profonde. Donc j'aimerais vraiment qu'on puisse s'assurer qu'on a tout saisi, déjà ces premières bases là, ces premières bases du royaume, avant d'aller encore plus loin. Donc prochainement on va faire plutôt une session question-réponse. Vous pourrez poser vos questions sur ces thèmes là particulièrement. S'il y a d'autres thèmes aussi sur lesquels vous voulez qu'on parle, on parlera. Mais je vais vous dire une chose. Un chrétien est appelé à vivre la puissance de Dieu. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Beaucoup de gens entendent ces versets-là, mais ils ne le vivent pas. Si tu ne vis pas ces versets, ça veut dire que tu ne vis pas l'évangile. Ce message-là, c'est le message de l'évangile. On n'a pas dit que la puissance de Dieu est réservée à l'apôtre ou au pasteur. Ce n'est pas vrai. La puissance de Dieu dont je vous parle, c'est réservée aux chrétiens. Même si tu n'es pas appelé à être apôtre. Ok? Mais tu es appelé à représenter Christ dans ta génération. La puissance est aussi pour toi. Je lui ai dit, c'est pas seulement les ministères de la parole. C'est sûr qu'avant de t'envoyer, Dieu va t'investir de puissance. Mais je lui ai dit, même en tant que chrétien, que Dieu veut utiliser dans un domaine particulier, ça peut être par rapport à ton travail, par rapport à ta famille, tu as besoin de la puissance. Tu dois vivre la puissance de Dieu. Alléluia. Oui. Tu dois vivre la puissance de Dieu. Tu dois rechercher la puissance de Dieu.
Ça n'a rien à voir avec ton âge. Moïse avait 120 ans. Il avait 80 ans quand il partait en mission. Je ne sais pas quel âge tu as sur cette plateforme-là. Mais même à 80 ans, Dieu peut t'utiliser dans le surnaturel. La Bible dit que Moïse, sa vue n'avait pas baissé. Son corps n'était pas fatigué à 120 ans. Parce qu'il travaillait à un niveau supérieur qu'un vieux de son âge ne travaille pas. C'est dynamis. C'est dynamis. Dynamis. Ça te donne une capacité surnaturelle. Tu deviens plus intelligent que la normale. Tu deviens plus vif que la normale. Plus alerté que la normale. Oui, tes sentiments changent, ton cœur change, tu deviens quelqu'un qui fonctionne à un autre niveau. Où les gens sont découragés, toi tu es fortifié, encouragé. Tu peux regarder une montagne et puis lui dire, lève-toi, jette-toi dans la mer. Et cela se fait. Tu n'es pas impressionné par les choses de ce monde. Parce que tu fonctionnes à partir d'en haut. Et tu marches dans dynamis. Alléluia. Reba shataka yabata karabasaka rabasaka. Rebrevukura shiteke yabate. Erabasata yababa. Il y a une saison de dynamis que le Seigneur prépare pour l'Église. Ceux qui sont sensibles, ceux qui savent se positionner dans la prière, dans le jeûne, ils vont rentrer dans cette phase dont je vous parle. Parce que le réveil spirituel, ce n'est pas avec des discours, c'est par la puissance. Le monde doit être choqué de voir des choses qu'ils n'ont jamais vues. C'est pour ça que Dieu relâche dynamis pour son église. Si le proconsul n'avait pas vu qu'on peut frapper d'aveuglement quelqu'un avec des paroles, il ne savait pas que ça existait. Le magicien avait l'habitude de faire des tours de magie dans Actes chapitre 13. Il avait l'habitude de faire des choses pour séduire le proconsul. Mais il a rencontré une puissance supérieure, dynamis. Lui qui avait l'habitude de faire des tours, il était frappé d'aveuglement. Il cherchait maintenant qu'on l'aide à marcher. C'est ça que le proconsul a vu. Il a dit non. Cet évangile, c'est un évangile de puissance. Ce royaume est plus puissant que les ténèbres. Je vais plus marcher dans la magie. Parce que c'était son conseiller. Le magicien était le conseiller du proconsul. Le proconsul faisait de la magie. Il consultait le magicien. Il avait la sorcellerie dans sa vie. Quand il a vu comment la puissance de la magie était terrassée, automatiquement il a cru. Il n'a pas cru parce qu'on lui a prêché des versets. Il a cru parce qu'il a vu une puissance supérieure. Je vous dis quelque chose. Je parle à quelqu'un. Tu sais, Dieu veut révolutionner ta marche chrétienne. Je ne sais pas quelle puissance tu as vue, mais la puissance de Jésus est plus grande que ça. Je ne sais pas quel fétiche ta famille te montre, mais la puissance de Jésus est plus grande que ça. Je vais prier avant de raccrocher. S'il y a quelqu'un sur cette plateforme, tu es oppressé par des démons. Tu n'arrives pas à dormir. Tu fais des songes bizarres. Tu vis des attaques bizarres. Ce soir, pendant que tu m'écoutes, je ferme toute porte de l'enfer. Parce que la Bible a dit que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre l'église. Je ferme toute porte de l'enfer qui s'est ouverte toute contre toi. Tout hôtel qui réclame ta vie. Toute œuvre des ténèbres qui se dresse contre toi. Dans le nom de Jésus, par décret dans Exousia, je ferme au nom de Jésus-Christ cette porte sur ta vie. Et je renverse. J'ai brisé, je brouille toute flèche qui a été envoyée, qui est envoyée contre toi pour te paralyser, pour t'atteindre par la maladie, pour t'atteindre par le malheur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il manque leur cible, ta vie n'est pas une proie pour le royaume des ténèbres. Ta vie est un témoignage pour la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas ni par maladie, ni par accident. Dans le nom de Jésus-Christ, je le déclare et je le décrète au nom de Jésus-Christ. Si tu étais dans un cycle, il y a quelqu'un qui est sur cette plateforme, tu es dans un cycle de maladie qui revient fréquemment dans l'année. Il y a un mois où tu tombes malade sérieusement. Et chaque fois, on doit t'hospitaliser. Chaque fois, cette maladie te fait perdre des opportunités. Chaque année, tu tombes tombes malade de manière cyclique. Et en général, c'est dans le troisième semestre de l'année que ça t'arrive. C'est-à-dire entre juin et septembre que ça t'arrive. Dans le troisième semestre, tu tombes malade. Tu as une maladie qui vient chaque année. Quand tu remarques, ça fait depuis quelques temps que ça t'arrive. Tu as remarqué ça, tu trouves ça bizarre. C'est une attaque des œuvres des ténèbres contre toi. C'est une attaque mystique contre toi. Ce soir, au nom de Jésus, je brise cette attaque. Je paralyse cette attaque. J'anéantis la puissance de cette attaque. Je renverse le processus de cette maladie. Qu'elle retourne à ceux qui l'ont envoyé au nom de Jésus-Christ. Tu ne tomberas plus malade. Je le décrète et je le déclare. Cette année,
tu ne tomberas pas malade. Et je mets fin à ce cycle de tes ténèbres sur ta vie. Au nom de Jésus, reçois ta restauration, reçois ta délivrance, reçois ta guérison. Dans le nom de Jésus, là où tu m'entends, au nom de Jésus-Christ. Tu as dépensé beaucoup d'argent. Chaque fois que cette période vient, tu commences à avoir peur. Cette année, ça ne t'arrivera pas. Quand tu verras ces signes se manifester, je dis c'est une maladie qui vient entre juin et septembre, troisième semestre de l'année. Quand tu verras ces signes, sache que l'Éternel t'a mis au large. Sache que l'Éternel est en train de te faire passer à un autre niveau spirituel. Ne doute plus jamais que Dieu est avec toi. Et positionne-toi dans le combat spirituel. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as beaucoup été découragé. Ça fait que ça te rend souvent lourd. Tu n'arrives pas vraiment à croire parce que ce cycle-là est revenu plusieurs fois. Mais ce soir, c'est la fin de ce cycle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, Dieu de puissance. Il y a quelqu'un ce soir que depuis tout à l'heure qu'on a commencé à partager ce message, l'onction de Dieu t'a saisi là où tu es. La main de Dieu est venue sur toi. Tu as senti une présence de Dieu venir sur toi. Je veux te dire, tu vois ce que le Seigneur me montre sur ta vie. Dieu veut te faire passer d'un niveau spirituel à un autre. Dieu a ouvert une saison pour toi. C'est une saison de la puissance de Dieu. Et Dieu va de plus en plus t'attirer dans une consécration au niveau de la prière, au niveau du jeûne. Et quand tu vas prendre cette direction de la vie chrétienne, c'est-à-dire tu vas plus investir dans la prière, dans le jeûne, tu vas sentir vraiment la puissance de Dieu se manifester dans ta vie de plus en plus. Tu vas sentir cela. Et Dieu va commencer à te donner des objectifs à court terme, notamment au niveau de la conversion de certains membres de ta famille. Dieu va te montrer des gens. Pendant une période, tu vas voir que c'est telle personne qui vient dans ton esprit, de prier pour cette personne et d'aller vers cette personne. Et Dieu va commencer à t'utiliser pour emmener le règne de Dieu dans ta famille. Il y a beaucoup d'incrédulité, mais Dieu veut t'armer pour emmener la conversion par la puissance de Dieu. C'est beaucoup par des signes que Dieu va agir avec toi dans ta famille. Je parle à quelqu'un tout à l'heure, l'onction, pendant qu'on prêchait, pendant que j'étais en train de parler, tu as senti une onction venir sur toi, se poser sur toi, une présence. Voilà, tu as senti ça venir sur toi. C'est de toi que je suis en train de parler. Le Seigneur va t'éduquer dans le jeûne et dans la prière. Et c'est par la puissance de Dieu que le salut va rentrer dans ta famille. C'est pas par des discours seulement. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Je veux prier avant de clôturer ce moment-là. Seigneur, au nom de Jésus, je relâche, Seigneur mon Dieu, cette grâce, cette onction sur toutes les personnes qui ont suivi ce soir, que leur vie soit affectée par ce message. Que l'Esprit de Dieu saisisse ce message dans la vie de chaque personne ce soir. Chaque personne qui a écouté ce message pour opérer, pour transformer, pour propulser, pour disposer le surnaturel dans la vie de ces personnes. Seigneur, afin que ton règne soit manifesté, que ton nom soit glorifié. Seigneur, je te bénis pour ce temps. Merci pour les miracles, merci pour les signes. Seigneur, nous attendons à ta gloire, nous attendons au témoignage. Nous attendons, Seigneur mon Dieu, à ta main puissante. Seigneur, je prie vraiment, Seigneur, que ton église soit restaurée, relevée dans la puissance. Et que vraiment, cette caractéristique du royaume de Dieu soit notre partage à tous. Seigneur, merci pour ton inspiration, je te rends toute la gloire. Que des âmes soient gagnées, que nos vies impactent notre génération dans le corps de Christ et ailleurs. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, je déclare des paroles de bénédiction sur votre semaine. Méditez cet enseignement, révisez-le et que la main de Dieu soit avec vous. Amen.